Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit, Gigi. Je dors debout. Tu dors debout? T'es-tu fatigué? Non, c'est pas si pire. J'ai arrêté de boire du café. Ah ouais, hey, pour vrai, je comprends. Fait que c'est comme un naturel qui revient, quoi, que quand le soir arrive, tes yeux ferment un peu, mais... Ah oui, ben oui. Mais ça va bien. Je me suis pris un petit popsicle là, pour me donner de l'énergie. Garde un petit peu de sucre, ça réveille. Allô? Il y a Mine Niquette qui dit « Le prochain show du Théâtre du Futur semble fou dans le casse de bain. » Ça a l'air quand même assez spécial. Ouais. Hein? D'ailleurs, on va te présenter, Guillaume, là, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas. D'accord. T'es qui? Toi, Guillaume, là, t'es un comédien, right? Exactement. T'es un comédien. Puis t'écris aussi t'écris des affaires. Oui, exactement. Moi, je suis... à base, je suis comédien. Hey, tu sais, mettons là, qu'on est à René au miroir, là, tu sais, on pourrait passer sur mon passé de... J'étudiais en communication à la base, là, puis j'étais destiné à être un journaliste, là, si on veut, tu sais. Uh-huh. Puis là, j'avais gagné un prix là, quand j'étais jeune. Puis, tu sais, tout s'enlignait vers ça un petit peu, la création, puis le journaliste. Puis tout d'un coup, ben j'ai fait, OK, non, je vais aller avec vraiment mon plan A, être très pauvre, puis rouler dans des locaux, fait que je suis allé en théâtre. Puis voilà. Mais c'est ça. Donc, oui, j'écris des trucs. Puis dans ce cas-ci, avec le Théâtre du Futur, donc c'est Navet Confi, qui est un multi-instrumentiste et un musicien incroyable. Et Olivier Morin, qui est ni plus ni moins le Michelangelo du Québec. Qui peut tout faire, hors mineur, hors majeur, sans hiérarchie. Là, t'sais. Fait que, on est les trois ensemble. Puis ça fait une dizaine d'années qu'on... On écrit nos pièces, puis qu'on les produit, puis qu'on joue dedans. T'sais. On est comme un band de musique, un peu. Mm-hmm. Vous avez fait beaucoup d'affaires. Vous avez fait genre Clotaire Rapaille, l'opéra rock. Après ça, c'était quoi déjà? Attends, mais non, on va aller les voir. Tant qu'à faire, on est là, le crime. Ben oui. Écoute, on peut même aller, voir sur le site du Théâtre du Futur. Là. On a fait un grand débrouillage pour nos 10 ans. Oh shit! Théâtrefutur.ca. Okay. Ouais, exactement. Il y a toutes sortes d'infos récentes. 10 ans déjà, c'est une très belle photo, ça, quand même. Bravo. Ouais. Le Théâtre du Futur est une compagnie de théâtre de création établie à Montréal. Ok. Donc, ok, Clotaire Rapaille, l'opéra rock, est-ce qu'on peut les écouter? Ben oui, c'est un grand débrouillage. Wow! Et là, tu cliques dessus. Est-ce que t'es sur le bon? Non, attends une minute, j'ai pas cliqué sur la bonne affaire. Ça peut. Du futur à volonté. C'est le bon. Ok, le clone est triste, les secrets de la vérité ou Clotaire rappelle l'opéra rock. Ça, attends, c'est le je vais essayer pendant ce temps-là. Je pense que c'est peut-être un lien un petit peu différent. Ok. Pour écouter les. 5 minutes. La musique est trop forte, tu parles pas assez fort. Parle pas assez fort. Ah, là, oh, là, OK. Là, c'est assez fort. OK. Attends, je vais mettre d'autres comme musique. Ça, c'est correct. C'est extraordinaire. Je vais juste mettre d'autres musiques moins fort. Parce que le problème, là, c'est que. Je vais parler plus proche du micro. Ben oui, il faut que tu parles proche du micro, sinon on t'entend pas. Je vais parler proche du micro. Puis là, je suis là en train de chercher le fameux grand débrouillage-là. Oh. Mais. Grand débrouillage, il est ici. Fait que tu vas sur théâtredufutur.ca. OK. Puis c'est ouvert à tous. Puis là, tu vas en bas. Il y a un carré. Il est écrit Grand débrouillage 10 ans en vidéo. Wow, OK. Le Grand débrouillage 10 ans de futur. Fait que là, t'as captation. Le clone est triste. Wow. C'est ça. Ah, là-dedans, t'étais les cheveux rasés. Ouais. Aïe, aïe. J'avais une coupe de... C'est ça, tu sais, je me rasais dans le fond à tous les... Avant chaque show, là, tu sais, je me mettais de la crème à barbe, puis on me rasait, puis c'est Navet Confi, là, qui me... Wow! Me trimait. C'était écœurant, ça! Wow! Hey, c'est tellement le fun, ça! 1h30 de contenu, mais mon Dieu, mais il y a plein d'affaires, là, à ta minute, là.
Oui, tout est là. Bon, là, le là chat si tu scrolles vers le bas, ben, c'est en ordre chronologique à l'envers. Fait que ça va. On monte jusqu'en 2011 avec Clotaire en bas. Tu as le chat de ta face, là, parce que c'était pas fin, ça. Ok, ouais, ok. Donc, à l'envers. Donc, le clone est triste. Après ça, les secrets de la vérité. Celle-là, je l'ai vue, je crois. Sûrement la plus weird de toute la gang, mais. Ouais, ouais, ouais. Je l'adore. C'est tout le temps très weird tes affaires quand même. Ah oui, ok, c'est ça. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de scénographie. Je me rappelle, il y avait des vidéos et des affaires parce qu'on avait la même tech de son, toi puis moi. Là. Ah ouais, Catherine Sabourin. Ouais, Catherine Sabourin. Puis elle était comme, c'était compliqué, cette studio-là. Mais elle adorait ça. T'es comme, genre, waouh, waouh, waouh. Aïe, aïe. Mais pour vrai, ouais, t'as c'est ça, on voit les. T'as vraiment un univers très absurde quand même, hein. Ben, tu sais, oui, mais je suis sûrement un peu comme toi, tu sais. Ben, tu sais, ces shows-là sont co-créés là, avec Olivier. Uh-huh. Mais, tu sais, pour moi, l'absurde. Tu sais, pour moi, dans ma tête, ça fait tout du sens, là. Oh oui. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça peut être reçu comme tel, là. Puis la vie est absurde. Fait qu'évidemment, c'est une poésie. On laisse des sens ouverts. Puis il y a toutes sortes de portes qui s'ouvrent. Puis qui se referment pas nécessairement, là, tu sais. Waouh, ouais, ça a l'air écœurant. Mais... Le clone est triste, là. Ça me tente vraiment de le regarder. Ouais, le clone des tristes était bonbon. Là. C'est comme, on dirait que c'était comme notre brou, là, tu sais. Non, mais pour c'est vrai, je m'excuse, mais ton look était incroyable. On dirait comme un genre de mauvais Molière, tu sais, là, genre... Ouais, vraiment, là. J'aime ça. Le gars qui a failli rentrer en Comédie française, là. Ouais. Aïe, aïe, check ça, c'est super hot, la grosse note en arrière. C'est donc bien beau, câlisse, voyons donc. Écoute, tu sais, il y a toute une histoire, là. On avait... fait ce show-là, on s'était dit, parce que les secrets de la vérité, on n'avait pas eu de sub ou rien, tu sais, on a vraiment pas nécessairement tout le temps, c'est ça la réalité. Ouais, ouais. Fait que là, on s'était dit, ça avait été compliqué. Fait qu'on s'est dit, le clone est triste, là, le prochain show, c'est une table, trois chaises, trois acteurs. Finalement, on a eu un peu de sous, mais tout le décor que tu vois, c'est une astuce, parce qu'on est allé chez Duceppe, puis eux, ils ont un gros entrepôt. Pour 500$, on leur loue à peu près 80 000$ de stock. Aïe! Ah, mais ça, là, c'est pas là que ça soit. Hein. Ça, c'est cool là, quand même, mais ça se peut que je l'écoute. Je pourrais l'écouter. Il n'y a pas de musique là-dedans, genre, il n'y a pas de musique américaine ou d'affaires que ça pourrait être flagué sur Internet. Ou, non. Bon, c'est ça, c'est toute la création. C'est que de la musique originale. C'est ça, c'est Navet Confit. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que je pourrais écouter sur mon Twitch à un moment donné. Ou Mime Niquette aussi qui écoute beaucoup d'affaires qu'il pourrait écouter. Là. Donc, ça, c'est du bon contenu. Il y en a beaucoup. Là. Ça a l'air vraiment bon. Mm. Sinon, après ça, la le vague. Le son parfaite, est bon, plus t'avances. Ouais. Ouais, la vague parfaite, ça c'était. Ça c'était malade mental. Surf. Ça c'était cool. Ça c'était un opéra sur un surfeur qui veut pogner la vague parfaite dans une société dystopique. Puis attends, c'est on ça. Écoute un petit bout. Vas-y donc. Hein. Mais c'était un vrai opéra. C'est ça qui était fucké. Ouais, ouais. Ben, vous avez tout le temps des hosties de projets whack, puis vous allez tout le temps au bout des idées. I sense everything. Your eyes, they're like emerald. Ah non, c'était vraiment super, ça. C'était quand même, c'était vraiment maladros. Puis après ça, Épopée Nord aussi, ça, c'était, dans le fond, c'est pas comme une trilogie, ça, Épopée Nord? Ouais, dans le fond, la trilogie, c'est... Clotaire Appel, l'opéra rock, l'assassinat du président, c'est puis Épopée Nord. C'est ça. Épopée Nord, c'est un... Dans le fond, les trois vont ensemble à quelque part, parce qu'au niveau du contenant, disons, le premier est un opéra rock. Uh-huh. Le deuxième, l'assassinat du président, c'est un théâtre radio. Ouais. Puis le troisième, on voulait pas de micro ou rien, fait que c'est une espèce de soirée de conte a cappella, tu sais. OK. Ouais. Fait qu'on est tous assis en rond. Ouais. Dans le fond, Épopée Nord, l'histoire, c'est... que Jean Leloup avec... En fait, c'est Fred Pellerin qui un jour part en tournée dans le Nord puis disparaît, il s'est fait enlever. Là, il l'enterre, puis tout le monde pense qu'il est mort. Puis comme 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard, il arrive à TVA, ou à TQS, je sais pas, ou à TVA dans l'émission de Denis Lévesque, puis qui interview l'homme pénis, qui est un homme qui...
qui se sent plus comme un pénis à l'intérieur, fait qu'il s'est fait faire une chirurgie, puis il est devenu l'homme pénis. C'est un personnage qui revient tout au long du show, tu sais, qui est formidable. Il s'appelle Gilip. Aïe, aïe. Puis là, Fred Pellerin, il arrive, puis là, il regarde la caméra, puis il dit, il dit au monde, genre, tu sais, watch out, ça s'en vient. Je me rappelle pas exactement comment. Puis là, finalement... Il y a des gens qui partent en recherche dans le Nord, puis se rendent compte qu'il y a un gros dôme. Puis c'est Jean Leloup, qui est devenu le chef des Amérindiens, avec toutes ses redevances, tu sais, de sa toune I Lost My Baby. Tu sais, il s'est payé le dôme comme dans sa toune, puis ça abrite la révolution amérindienne. Puis eux, grâce au clonage, ben, ils sont devenus. Les Amérindiens sont devenus, genre, comme 100 fois plus nombreux que les Québécois, là, tu sais, dits de souche, là. Fait que, puis là, il y avait une loi qui avait été passée qui disait que le territoire est divisé au prorata du nombre d'habitants, tu sais, pour que les Premières Nations, là, tu sais, en demandent pas trop. Puis là, finalement, grâce à cette ruse-là, ils reprennent tout le Québec. Wow. Puis la moitié des Québécois, tu sais, de descendance blanche française se sentent tellement mal qu'ils partent sur des vieux voiliers vers la France. Wow! C'est donc bien pété, tabarnak, esti. Voyons donc. Puis ça, comment vous écrivez vos affaires? Est-ce que vous voulez... C'est-tu juste toi qui les écris ou t'es écrit avec Olivier? Oui, ouais, avec Olivier. Ben, dans ces premiers shows-là, ben, c'est toujours la même technique. Nous, on travaille sur Google Doc. Okay. Puis on... Tu sais, on travaille sur le sens, là, comme toute l'histoire que je t'ai contée, ben... C'est pour ça que je te disais, oui, ça apparaît absurde, mais... Oh. Ouais, c'est beau. Tout est chill. Ça apparaît absurde, mais pour nous, il y a toujours un choix, tu sais. C'est pas pour rien que c'est Fred Pellerin, puis ouais, que Jean Leloup qui est là, puis tu sais, il représente quelque chose, puis pour nous, ils disent quelque chose qu'on n'a pas besoin d'expliquer, puis il donne une émotion, tu sais. C'est Fred Pellerin, il est à tout le monde l'aime, tu sais, tu comprends? Ça aurait pas fait la même affaire si ça avait été Martin Drainville, tu sais. Ouais, ouais. Quoique, tu sais, on l'aime beaucoup aussi, là. Oui. Mais c'est ça, fait que, tu sais, on construit nos trucs à travers le sens, puis on écrit des deux ensemble, on ajoute, puis à un moment donné, on se lit ça, puis on coupe, puis on pousse l'autre à dire, tu sais, à voir ce qu'il veut dire, puis ce qui fait qu'à un moment donné, on sait plus qui a écrit quoi, là, tu sais. Ah, mais c'est quand même... Mais je m'en souviens, moi, la première fois, quand t'avais pas encore écrit Clotaire Rapaille, on s'était rencontrés dans un bar, puis là, tu parlais d'une affaire, ouais, je vais faire comme une genre de pièce de théâtre, puis là, ça va être genre Clotaire Rapaille, puis là, ça va être nanana. Puis là, j'étais comme, ah, OK. Tu sais, je te connaissais pas du tout, puis il y a plus Chagnon. C'est plus Chagnon qui te connaissait, tu sais. Puis là, ouais, j'étais comme, ah, OK. Puis là, j'étais juste pitché une coupe d'idées de même, puis là, t'étais comme, ah, ouais. Puis j'étais comme, il va jamais faire ça, voyons. Non, ça. Il va jamais faire ça. Guillaume, il dit n'importe quoi, là. Puis là, il va avoir un gars, puis là, ça va être dumb, là, Ben oui. Finalement, quand on lit, tu le fais. Puis j'étais comme, OK, il l'a fait. Puis là, un autre. Puis c'était vraiment quand même, c'était assez drôle. Hey, on a un raid. Ça, tu sais pas c'est quoi un raid. Hein? Non, c'est quoi ça? C'est du monde qui faisait, qui écoutait Twitch. Et puis là, la personne a dit, je m'en vais faire d'autres choses que streamer. Puis là, il nous envoie la montre. Merci le bon maire pour ce raid de... Ah, okay, je vois. Oui. Fait que là, les gens, ils viennent. Merci. C'est comme si tu forçais le changement de poste à la TV, tu disais à tout le monde qui t'écoutait. C'est comme si à TVA, ils disent « Bon, à cette heure, on s'en va écouter Radio-Canada! » Okay. Ils t'envoient à Radio-Canada. C'est un peu ça. Ben, j'adore ça, man. Eh ouais. Tout est en train de changer, tout shift. Tout shift, c'est le grand shift. Bon. C'est le grand shift, mais je suis sûr qu'on en a déjà parlé. T'sais, on se voyait plus... dans le milieu des 2010, là, mais on a eu ce genre de conversation-là, là, tu sais, qu'un jour, tu vas pouvoir prendre ta caméra, puis faire ta série, puis si Netflix l'achète, tu sais, finalement, Chantal, là, tu sais, qui voulait pas la diffuser à TVA, mais tu sais, elle aura plus le pouvoir, là, de... Non, effectivement. De bloquer tes idées, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu peux, tu peux faire quelque chose qui va être populaire contre le gré des compagnies. C'est ça que tu peux faire. Oui, c'est ça, exactement. T'es pas obligé de passer par la structure obligatoire. Puis en plus, moi, je trouve que il y a de quoi de bon là-dedans que l'artiste est aux commandes de sa distribution. Tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Puis t'es au contrôle de tout. Tu sais, même si des fois, c'est super éreintant parce que t'as besoin d'avoir une structure de gens qui t'aident pour faire plein d'affaires. Mais tu sais, je pense que toi aussi, tu l'as déjà vécu, ça.
à être le gars qui fait tout, là. Ouais, c'est que ça, là, tu sais, faut apprendre à déléguer, mais, tu sais, c'est vraiment, l'idée, c'est de bien s'entourer. Ouais. Pour ce genre de projet-là, puis... Ben, j'imagine qu'au théâtre, en fait, ça doit être beaucoup, beaucoup comme ça, là. C'est beaucoup de... des gens qui s'entraident pour faire des projets artistiques qui aiment plus que des gens qui vivent de faire ça, tu sais, c'est comme... Ouais, il y a beaucoup de ça, tu sais, éventuellement, tu peux, comme une compagnie de théâtre, peut-être en vivre un peu plus que quelques mois par année, tu sais, si t'as de la tournée, là, des trucs de même. Mais ouais, tu sais, c'est sûr qu'au théâtre, ce qui est le fun, c'est que c'est des gens qui... des humains de qualité, là, souvent, puis, tu sais, des machines, là, tu sais. Je regardais tantôt, quand t'as passé sur Les Secrets de la Vérité, là, tu sais... Mylène, là, qui avait le rôle principal, mais tu sais, comédienne, là, incroyable. Là. Uh-huh. Mais tu sais, qui rentre dans ce projet-là, là, comme en nous disant, hey, pour vrai, je sais pas si je comprends la moitié des affaires, mais tu sais, je vous fais tellement confiance. Let's go, là. Puis tu sais, bonne, là, vous irez checker ça, là, tu sais, ce petit bout-là. C'est le grand débrouillage, man. C'est le grand débrouillage, mais c'est sûr que je vais aller checker une couple d'affaires, là, parce que là, c'est le grand débrouillage. C'est là que ça passe, là. C'est là que ça se passe. Donc. Mais tu sais, si tu veux écouter quelque chose, on peut regarder le début là, des Secrets de la Vérité. Là. Ben oui, on la scène ça. 1, là. Tu sais, c'est. En gros, là, tu vas voir, c'est. J'en dis pas trop, mais c'est le personnage de Cindine Bournival qui dort, puis Jésus la visite en rêve. T'sais. Le lendemain, elle va se réveiller, puis elle est enceinte de Jésus. Parfait. On écoute le début de ça. Tant qu'à faire, on peut le faire. On a le droit, on peut. On peut, là. Okay. On est libre. On est fou. Ah ouais, vas-y. Chris, on est comme au théâtre. Ouais, ok. C'est ok. Ah, je prends ça. On peut se faire du popcorn. Tu peux manger des collations. Ben ouais, ouais. Come on. T'as-tu fini ton popsicle? Ton popsicle. Tcha-tcha, comment? Oh.
médecin, hein? Aimez-vous les uns les autres qui disent. Tu le ferais, Jésus? Fais des prières. C'est vraiment... Ah, nous sommes exactement aujourd'hui, mais dans 20 ans. Faites le calcul. Fait que là, après ça, il y a Elon Musk qui arrive. Ah ben, t'es Olivier. Si t'es revenu en si grand nombre, je suis Jesse Boulian, chorégraphe de projet chez SpaceX. La Terre est sale, malade, une perte totale. Des 8 espèces animales encore vivantes aujourd'hui, aucune ne se mange. Les derniers humains vivant en Afrique tombent comme des mouches. Les mouches qu'ils ont au visage. Pauvreté, surconsommation, surpopulation. Ce monde catastrophique. On peut le changer. Un geste à la fois. C'est ma race préférée, ça. Mesdames et messieurs, voici un homme qui, contrairement au commun des mortels, n'a pas peur de mettre ses milliards de dollars au service de ses rêves. Si je vous dis Tesla, PayPal, Neuralink, Boring Company, Hyperloop, SpaceX, mesdames et messieurs, accueillez Elon Musk! Charles la fortune quand même comme il est. Le petit côte en cuir. Oh wow, c'est toi, ok? Oui. Merci. Loin du gars rasé de tantôt. Mars est hot. Mars est belle. Mars cogne à nos portes. Salut, planète à peine plus grande que la moitié de la Terre. Comme vous le savez, mon projet initial avec SpaceX, c'était de créer une manière plus économique d'aller dans l'espace, avec toujours comme super objectif de coloniser la planète Mars. On avait organisé un premier décollage avec 3000 colons. Succès relatif, comme vous le savez. On avait oublié quelques détails au niveau des... Succès relatif. Il n'y avait pas mis assez de boulot. 3000 colons qui s'entretuent pour un sac de morphine en l'air. On a beau être un génie, on peut pas tout prévoir. Pas de bon. Une mémoire. J'ai failli perdre, à commencer par mon argent. Cette tragédie m'a contraint à m'isoler pendant quelques années avec ma table à dessin dans un loft à peine plus grand qu'un centre d'achat. Je relisais compulsivement de vieux articles sur moi-même en mangeant des céréales. Quand tout à coup... BAM! Ouais! Démartialiser l'épaule! Nuquer Mars! On est un génie ou on l'est pas? Mesdames et messieurs, il me fait grand plaisir de vous annoncer Tetra! Un convoi de 1000 navettes cargo vidangeurs en aller-retour constant de la Terre vers Mars pour aller faire exploser nos vidanges! Tous ces déchets archi-toxiques qui nous gâchent la vie. Wow. On va les faire exploser en sur cas, Mars. En tout cas, ça part d'une vraie idée, tu sais. Ouais, ben oui, ça part de... Elon Musk, il pense vraiment ça, là, tu sais, qu'on pourrait nuquer les pôles de Mars pour la réanimer. OK. C'est une vraie théorie, là, qu'il a émise, là. Et, il est comme, ouais, on va nuquer les pôles, puis là, ils travaillent là-dessus, là, mais tu sais, comme... ça va être super. C'est bizarre, c'est quand même, hein. Elon Musk, ouais. Le monde, hein, le monde aujourd'hui.
que c'est weird. Mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'on fait de l'absurde, j'ai l'impression, parce que... Mais la vie est comme ça, tu sais. La vie est weird. La vie est weird. La vie est weird. Ouais, ouais. Mais là, ce show-là, tu sais, c'était finalement sur la vérité, tu sais. Fait que ce qu'on essayait de faire, c'est le show le plus weird parce que d'une scène à l'autre, c'est jamais tout à fait la même histoire, puis une scène venait un peu faire mentir la scène d'avant. Tu sais, comme le personnage de Jésus que tu as vu au début. Uh-huh. Finalement, on se rend compte que, tu sais, elle tombe vraiment en scène de Jésus dans un rêve. Mais là, finalement, ils se rendent compte que ce Jésus-là, c'est un finissant d'une école de théâtre de Saint-Hyacinthe. T'sais, c'est un pas jeune le vrai acteur. Jésus, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il est engagé par Elon Musk. Finalement, c'est les extraterrestres. Puis, tu sais, on rajouterait tout le temps des couches là, ah, tu sais. Okay, un peu comme ça. Quand tu vas te perdre sur YouTube, là, puis tu te mets à regarder des vidéos. Donc, c'est pour ça, là, effectivement. Donc, ça, c'était avant les complotistes, là. C'était en 2018, quand même. Là. Donc, c'est le théâtre du futur, déjà, à l'époque. Ben oui, quand... Ce show-là, là, on s'était fait dire, tu sais, par. On n'avait pas eu de sub, puis ils disaient, on voit pas ce qu'il y a de politique là-dedans, tu sais. Uh-huh. Ben, aujourd'hui, tu sais, tu ferais ce show-là à vous, tu sais, c'est oui. Complètement politique, là. Ben oui, 100%. Tu sais, c'est comme. Ça a un effet. Je veux dire, le gouvernement dit quelque chose, puis la moitié. Pas la moitié, mais quasiment du monde les croit pas, tu sais. Ouais, ouais. Mais à cette époque-là, c'était juste comme. Ouais. On était un petit peu trop tôt. C'est drôle parce que c'est de l'exagération là, mais là aujourd'hui, c'est comme. Tu sais, même aujourd'hui, tu sais, comme sur mon profil Facebook, là, j'ai niaisé, là, j'ai fait comme si je croyais plus à ça, le savon. Là, puis là, je niaisais, tu sais. Puis il y a plein de monde qui. Ouais, mais là, attention, il y a du monde qui vont te croire, là, tu sais, que le savon, c'est pas correct, c'est pas bon. Tu sais, puis je suis comme. Ah, tu sais, c'est comme. On dirait qu'on peut plus faire confiance à. Les gens sont imbéciles at large, j'ai l'impression. Ben, c'est que les gens, ils ont beaucoup de gens décident de plus faire confiance aux journalistes, pour toutes sortes de raisons. Uh-huh. Mais là, ils sont en perte de repère parce que c'est le monde de l'influence, là. Ouais, ouais. Tout le monde est un média, tout le monde est un petit TVA, ouais. Tu sais, puis s'en sert ou pas, puis peut influencer. Mais comme, c'est quoi les intérêts des gens derrière ça, tu sais? Mm-hmm. Parfois, ils sont bons, parfois, ils sont mauvais. Mais effectivement, on a un manque d'éducation, je pense, par rapport aux communications en général, tu sais, à l'information, puis c'est assez grave, là, tu sais, ça pourrait mener à des méchantes catastrophes, il y en a déjà un peu, là, mais... Ben oui. Faudrait que ça soit enseigné, là, à l'école jeune, là, comment, tu sais, qui est crédible, un journaliste, qu'est-ce qui fait qu'un journaliste est crédible, uh-huh. Puis tu sais, pourquoi tu peux croire ce qu'il dit, il dit pas nécessairement la vérité, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu deux sources crédibles, au moins, qui a corroboré ces faits-là, tu sais, donc ça devient des faits, mais toutes ces notions-là, si t'es catch pas, tu sais, t'es comme, ah là, pourquoi lui, il dit ça, puis mon beau-frère, lui, il a dit ça, fait que les deux, ils ont le droit à leurs opinions. Ouais, fais-tu, ils vont des gens, là? Ouais, peut-être, hein? Comment déjà? Mais si tu veux, je te le dis. Moi, c'est Mathieu Canel. Je fais Mathieu Canel qui fait Yvon Deschamps. C'est ça. Mais là, on va arrêter ça de suite. Moi, j'ai un enfant. Ouais. Mais tu sais, comme moi, puis je comprends, tu sais, les journalistes aussi, le problème de tout ça, c'est que les journaux sont possédés par des grandes entreprises, tu sais, comme. Puis aussi, ont des opinions politiques, tu sais, aussi, c'est ça, là. Mais si c'est de tout valeurs. Temps, ouais. C'est de tout temps, tu sais, c'est ça, c'est que effectivement peut-être qu'il y a ça à remettre en question, mais ça a comme été complètement assumé, tu sais, que tu lis la presse, ben là, moins aujourd'hui, là, c'est un espèce de conglomérat, ben pas conglomérat, mais tu sais, c'est rendu une espèce de co-op, là, mais tu sais, c'est, OK, ça appartient au Desmarais, donc leur éditorialiste reflète la pensée de la direction du journal, tu sais. Ouais. Mais juste là, ce que je dis là, tu sais, est vraiment weird, mais c'est une réalité, tu sais, mais c'est une réalité qui n'est pas enseignée. Je pense pas qu'on peut aspirer à avoir des journaux qui sont 100% objectifs, tu sais, ça va toujours être subjectif, tu sais, c'est comme impossible d'être objectif à 100% pour livrer la nouvelle dans la réalité. C'est parce que tout est observable selon plusieurs, comme... point de vue, tu sais, fait que je pense qu'il faut juste enseigner aux gens que c'est pas objectif, là. Il y a voici leur oui, point ça. De vue, tu sais, puis c'est ça qu'il faut enseigner plus. La pensée critique plutôt que d'espérer que ça soit parfait dès le premier coup, là, tu sais, c'est ça, l'objectivité. C'est en plein ça. C'est ça, là. Oh, je suis tellement d'accord. Puis c'est juste cette notion-là de
d'accepter que les journaux sont possédés par des gens qui vont émettre leurs opinions, mais ils émettront pas nécessairement leur opinion dans les nouvelles du jour, là. C'est dans l'éditorial. Mm-hmm. Ça se peut qu'il y ait une ligne éditoriale, mais si tu sais ça quand tu le lis, ben, tu sais, t'as une espèce de fil, tu dis, OK, bon, t'as Radio-Canada, ils vont pas nécessairement parler de tel sujet, mais tu sais, tu peux aller chercher dans un autre média, puis tu sais, c'est comme ça que tu peux faire ton screen général d'infos, là, tu sais, mais... Ouais. Ça gagnerait à être enseigné très jeune, là, tu sais. Ouais. Effectivement. À mon avis. Ouais. Puis toi, c'est quoi ton parcours, mettons, pour de... As-tu commencé tout de suite à étudier dans les écoles de théâtre ou t'as fait quelque chose avant? Non, moi j'ai étudié à Jonquière en arts et technologies des médias. Ah oui, c'est vrai, t'as fait de la radio, hein, je pense. Oui, c'est ça, de 97 à 2000, j'ai étudié en radio information. Là. Puis c'est pour ça, après ça, j'avais gagné, disons, une espèce de mention d'honneur là, au prix Lisette Gervais. Okay. Puis ça m'avait comme... Moi, je voulais rester au Saguenay, là. Je voulais faire de l'information là-bas. Là. C'était ça qui me faisait... T'sais, en tout cas, c'était ça mon but un peu. Je savais pas trop. Là. Je voulais faire de la création, mais tu sais, je trouvais ça... Y aller avec mes études. Là. Bref, là, mais le reportage que j'avais fait, qui avait gagné, s'appelait « Histoire d'une patate en crise existentielle ». OK. Puis c'était vraiment une patate qui disait « Ah, bonjour, je suis une patate ». Puis de 18 cm, puis je sais pas d'où je viens, je sais pas qui je suis. Il est en crise existentielle, fait qu'elle se promène. Puis j'avais interviewé plein de... j'avais été chanceux, j'étais tombé sur une conférence où il y avait des gens qui... des fermiers qui utilisaient du Monsanto, d'autres pas, puis d'autres qui savaient pas, tu sais. Fait que j'ai fait comme le tour, puis fait que ça parlait des OGM. Uh-huh. À travers un reportage radio... tout monté, puis produit, puis humoristique. Fait qu'il m'avait pas fait gagner, mais tout le monde après était comme « Hey man, c'était malade ». Fait que j'ai plein de portes qui se sont ouvertes. Uh-huh. Entre autres, il y avait le gars de CKC. C'est surréaliste, là. J'avais 20 ans, puis le gars de CKC m'avait appelé, puis il m'avait présenté Paul Arcand. Ah ouais? Moi, j'étais un petit chico. Puis là, il dit « Ah, ça, je te présente la bête. Là, Guillaume, tu sais, j'ai bien aimé ton affaire, puis j'aimerais ça, là. Peux-tu faire... quelque chose là, d'information humoristique là, à tous les matins. Là, un genre de François Pérusse pour de Paul Arcand. Là. Ouais, mais j'étais là, man, j'ai 20 ans, man, je chiais dans mes culottes. J'étais là, tu sais, je connais rien. Là, fait que j'avais pas. Mais j'avais aussi. Il y avait une émission qui s'appelait Macadam Tribu. Ouais. Il m'avait ouvert la porte aussi à faire des trucs. Fait que j'en avais fait un petit peu là-bas. Mais j'avais surtout concentré mes énergies à CIBL. Avec mon ami Pierre-Louis Sans Chagrin, qui est aujourd'hui un auteur de télé. Là. Puis on faisait notre émission de radio, là, Les Princes du AM. on faisait des personnages. Hey, salut mon chum, c'est Bas de la Casse. Fait qu'on faisait comme. C'était comme des faux personnages qui se trouvent drôles. Puis à travers ça, il y avait des sketchs. Mais c'était avant Internet, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça aurait peut-être eu une vie. Mais tu sais, il y a bien du monde qui aimait bien ça, puis tout ça, puis on était jeunes aussi, mais c'était ça reste des beaux souvenirs pareil, tu sais. Ben ouais. Ben, c'est pour ça que moi, j'ai toujours trippé puis été impressionné aussi par votre parcours à vous autres, tu sais, parce que vous êtes, dans le fond, un petit peu plus jeune que moi, mais pas de beaucoup, uh-huh. Mais c'était un peu le même buzz, tu sais. Pierre-Louis, c'était comme un ami du cégep d'enfance avec qui, finalement, on avait fait des trucs de comédie et tout, mais moi, je suis rentré au conservatoire un moment donné, fait que j'ai tout arrêté ça, là, mm-hmm. Tu sais. Alors que Sonia Cordeau, elle a continué. C'est elle qui avait raison. Ben, pas nécessairement. Tu sais, c'est comme... Ouais. Chacun fait ses affaires. Hein, ouais, c'est comme ça. C'est ça. Ouais. Mais quand j'ai sorti, ça explique sûrement aussi, j'étais comme, j'avais soif là, de faire un bon projet avec... Je m'étais tué pendant 3-4 ans au conservatoire à apprendre autre chose. Puis c'est bien correct. Là, mais j'avais hâte de refaire un projet. Puis je me disais, OK, celui-là... T'sais, on va avoir une bonne équipe, bon jeu, bonne musique. Puis ce projet-là, c'était y a eu les Jerry's, entre autres, mm-hmm. qu'on avait monté, qui est un quintet barbershop qui ne reprend que les hits de Jerry Boulet. Mm-hmm. Puis on a fait notre petit bonhomme de chemin, mais c'était très street. Là, on jouait dans la rue, puis finalement, on a fait plein de shows partout. On a runné ça pendant 3-4 ans, là, des moments surréalistes. On a joué des fois devant 3-4 000 personnes. On a joué avec vous autres aussi un moment donné en première partie. Oui.
Au Club Soda, je pense. Ah, ouais, ouais, ouais. Rappelles-tu? Non. Le Pierre-François Lejeune qui faisait pas... votre mise en scène. Ah, oui, 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 oui. Ah, on a fait ça. Ah, oui, oui. Oui, je sais, donc. C'est ça, des fois. Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est ça. Puis est venu Clotaire où j'avais cette idée-là que je traînais, que personne ne comprenait. Puis Olivier Morin, ben, tu sais, lui, là, tu sais, c'est un peintre. Il est comme, ouais, 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 parfait. Fait que là. Il a embarqué avec moi, puis là, c'est devenu notre projet vraiment aux deux. Et avec Navet Confit aussi, tu sais, qui allait signer la musique. Mm-hmm. Mais Olivier aussi est musicien. Fait que moi, ce que je voulais, c'est que, vu qu'on n'avait pas d'argent, ben qu'Olivier, que Navet puisse faire la musique, mais si c'est trop pour lui, ben il peut en déléguer à Olivier. Ouais, ouais. Puis, tu sais, moi, j'allais faire les textes, mais avec Olivier. Puis si un des deux était, tu sais, pris ailleurs, ben l'autre pouvait prendre... patché, puis finalement, ben, on est devenu très fusionnel là-dedans, puis tout ça. Fait c'est vraiment devenu notre patente aux trois. Là, c'est quand même on peut regarder un peu de Clotaire, si tu veux. Ben oui, tu vois, on est tout jeune. Ben oui. On va voir le beau Mathieu Canel aussi. Ben oui. Attends une minute, je vais mettre ça ici. Et voilà, je vais arrêter la musique. Naître et mourir. Se battre, devenir un maître, puis mourir. Daniel Bélanger, les peuples ont tous des héros. Puisque le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas, autant les inventer. Oh shit, c'est toi? Cette formule n'est pas de moi. Je la tiens de Clotaire Rapaille. Aïe, aïe, hein, t'avais un homme exceptionnel que j'ai eu le privilège de côtoyer lors de son plus beau combat. C'était il y a quelques années déjà. Ah, oui. C'était juste après que les cathédrales soient devenues des lieux de projection consacrés aux films de Pierre Falardeau. Et que la statue de Gilles Proulx soit érigée près de la place Marie-Soleil Touga à la Bourse de Montréal. C'était la belle époque où le courageux Simon du Rivage racontait la nouvelle, même après avoir été cryogénéisé. On a revu une telle audace que lorsque Lord Mario Dumont s'est fait greffer une langue anglaise, geste symbolique pour être élu au Canada chez les conservateurs. Quelle époque remplie de prétentions. Allez dire ça à Denise Filiatro qui, dans ses mémoires, dicte la programmation du Théâtre du Rideau Vert pour les 1000 prochaines années. C'est pas des farces comme les gens s'en permettaient au lendemain de l'indépendance. Nous vivions une époque noire, noire, comme disait le regretté Fred Pellerin, comme dans le cul d'un ours. C'était peu de temps après la disparition du pétrole sur la planète. La pauvreté avait harponné comme des carpes tous les peuples de la Terre. Tous! Sauf un peuple qui possédait l'hydroélectricité. Ce tout petit pays, indépendant et majoritairement francophone, s'appelait le Québec! Ah oui, c'est ça, tu faisais Clotaire à main, c'est pour ça que t'avais les cheveux longs. C'est fou. Voilà. Captation, hein, c'est toujours... Ben oui, ben oui, ben oui. C'était plus cool ensemble. Mais... C'est sûr. Les beaux souvenirs. 2045. Au pénitentiaire... C'est fou à quel point, mettons, le feeling de regarder une captation théâtrale, c'est vraiment pas la même chose que d'être là. Il y a comme une aura. Ben c'est, non. C'est comme la même chose qu'un stand-up, tu sais. C'est vraiment pas la même affaire, là. Non, c'est fou, tu sais, c'est donné, là. Tous les acteurs le savent, là. Ouais. Tout le monde qui est en théâtre, c'est comme une captation, souvent, c'est plus un objet pour travailler. Mettons qu'on fait une reprise, là. Ouais. On dit, OK, je vais regarder la captation pour regarder les places ou le gars de l'éclairage, là, dans des shows plus complexes, peut carrément se fier à ça. Mais tu sais, c'est pas fait pour être écouté, mais là, on les met là en grand débrouillage. L'expérience du VR, du 3D, avec un casque. Oui, 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 oui. Parce que je pense que ça pourrait vraiment être l'avenir du téléthéâtre, là. Parce que t'as le feeling d'être là, là, vraiment, là. L'aura est comme là, là, tu sais. Fait que ça pourrait fonctionner. C'est le problème, en fait, de, je trouve, c'est, regarde, toute étape là, regarde, on va regarder, là, toute étape là, tu sais, il n'y a pas de perspective. C'est ça. Il n'y a pas de, tu sais, tout est comme sur le même level. Puis... veux pas, le charisme aussi d'un comédien peut te faire oublier tout ce qu'il y a autour. Tu peux comme le fixer intensément, puis c'est con, là, mais on dirait que tout va devenir un peu noir autour, mettons, puis tu vas juste fixer sur des détails, puis tu vas comme... C'est comme quand t'écoutes la TV, à un moment donné, t'as vois plus, tu sais, l'objet de la TV, il existe plus. Oui. Comme, tu sais, t'as comme plus de frontières.
Ben oui. Y a aussi un truc très technique, c'est que, tu sais, la caméra, mettons, tantôt quand on écoutait un extrait des Secrets de la vérité, mettons, là, tu sais, à la fin, quand ils se mettent la couverte sur eux, là, ben la caméra, à cause de la lentille, tu sais, on les a vus sortir comme des dingos, là, tu sais, ça, c'est le théâtre amateur. Ouais. Et quand t'es dans la salle, les lumières qu'il y avait en dessous de la scène... Ça t'aveugle. Ça t'aveugle. Fait que, tu sais, tu le voyais pas, tu sais. Ben oui. Mais la caméra a est capable d'aller en chercher un petit peu plus que l'œil humain ou du moins différemment. C'est ça aussi qui fait que l'effet que tu dis, tu sais, on voit pas des fois les contrastes puis tout ça. Mais c'est pour ça que notre prochaine prod, sachant que la pandémie s'en venait, c'est la prod qui commence demain, la colère des doux, là, on était supposé jouer nous autres au mois de février. Mm-hmm. Sauf que là, on s'est dit, écoute, c'est sûr qu'il n'y en aura pas de show. Fait qu'on s'est dit, on va faire un film, tu sais. Mais on a pris un risque parce que la santé publique, mettons qu'il avait levé le flag, ben, il fallait le lendemain présenter un show, tu comprends? Mais nous, on s'est dit, tant qu'à mettre toute l'énergie à faire une mise en place puis à préparer de l'éclairage pour un show qui n'aura peut-être jamais lieu, on a pris la salle... Le théâtre aux écuries, puis on l'a transformé en espèce de studio de cinéma, tu sais, style années 20, finalement, tu sais, comme quand, à l'époque où les gens de théâtre ont commencé à faire du cinéma. Fait qu'on s'est renseigné, on a étudié toutes sortes de trucs. On avait un green screen, un backdrop noir, on avait tu sais, toutes sortes d'astuces. C'était vraiment un cinéma d'astuces pour essayer de créer cette espèce de show-là, là, tu sais. D'ailleurs, je peux sûrement t'en jouer des extraits, là, tu sais, inédits. Parce que ça a l'air vraiment fucké, là, pour vrai. C'est comme un genre de... Vous faites un mélange entre le théâtre puis le... Attends, mais comment tu peux décrire ça, mettons? Ben, c'est une expérience... On l'a transformé en espèce d'expérience interactive... Fait que c'est, tu sais, t'arrives, t'achètes ton billet, puis là, t'arrives sur la page, puis là, faut que tu mettes un code. Là, tu mets le code, puis là, t'arrives, puis il y a une carte du Québec. Fait que c'est quasiment comme un jeu vidéo. OK. Puis là, il y a une première pin, mais je peux carrément te le montrer, là, tu sais, pour le bonheur des gens qui nous écoutent. Mais une expérience funk ASMR numérique du théâtre du futur, la colère des doux, une nouvelle révolution plus tranquille que jamais. Puis, en gros, l'histoire, là, c'est que ça se passe, ça commence peut-être demain, là, quelque chose de même. Puis, il n'est pas question de pandémie là, ou de rien, mais les gens, il y a beaucoup de tensions en ville. T'sais. Ça se passe à Montréal au début. Uh-huh. Puis là, le prix des bananes est jacké en malade. il monte à 50$, puis ça, c'est la goutte de marde qui fait déborder le vase. Fait que là... Esti, le monde, man, ils capotent, ils se mettent à péter à rouler à sens inverse, à empaler des brigadières, puis c'est la révolution, là, c'est la fin de la civilisation. Mm-hmm. Le monde sort dehors avec leur batte de baseball, leur couteau à beurre, puis tout ça, mais 97% du monde font comme « Attends une minute, man, je vais pas aller me battre, là. » De là, cette révolution-là et la colère des doux, tu sais, fait que c'est des gens en colère, mais qui se rendent compte qu'ils sont... Ils sont pas game de se battre, fait qu'ils se ramassent entre eux, ils ont peur... entre amis, tu sais, dans les sous-sols, tout ça. Puis on suit le personnage de vous, tu sais, qui est le spectateur. Fait que, tu sais, quand tu vas l'écouter, c'est comme si c'était toi. Mm-hmm. Puis c'est dont vous êtes le héros un peu. Puis là, avec ta gang, vous décidez d'aller vous installer à campagne, tu sais. Mais avec juste du monde qui ont les mêmes idées que toi, puis les mêmes opinions, puis tu sais, qui ont les mêmes valeurs, finalement, tu sais. Fait que c'est pour ça que le show est si... chaque scène... Chaque univers est complètement différent parce que c'est comme un show qui parle des pensées en silo. OK. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Tu me suis-tu? Ben oui, je te suis au max, là. Genre, ça spin, là. Genre, je suis comme, ah, OK. Là. Il essaie de dire quelque chose à travers tout ça, là. Hein? Il y a un petit message, là. Hein? Des mots, ils font des phrases. Mais c'est ça, tu sais. Puis après, ce show-là, il est super cool. Moi, il y a des choses là-dedans que j'adore. Là. Le début est super dynamique, puis vers le milieu, ça devient du ASMR. T'es chuchoté, puis parle de même. Puis là, c'est de la poésie vraiment étrange. Puis, mais je veux vraiment t'en montrer des bouts parce que tu peux me l'envoyer. Vraiment gentil. Envoie-moi un petit lien là, sur Messenger. Ouais, c'est ça. Là. OK.
Fait que là, je vais t'envoyer carrément un lien. Ok, j'en ai. Ok, un lien, parfait. Je t'envoie un lien. Là, c'est le même lien que les gens vont recevoir. Tout le monde a le même lien. Okay. Quand tu achètes ton billet, tu sais, c'est cool. Là, on a mis ça pas cher, là, tu sais, 100$. Non, c'est pas vrai. Mais je pense que c'est 15$, là, tu sais, c'est un truc de mal. Okay, je vais. Là, je m'en viens sur Messenger. Je vais t'envoyer ça. En français, on va pas voir le lien. Il faut qu'ils l'achètent. Ben, c'est ça. Ben oui, ils peuvent avoir le lien, mais si on pas de code, ils pourront pas rentrer. Ah, si on pas le code. Ça me dérange pas qu'ils voient le lien. Yeah. Fait que là, je viens de te l'envoyer, puis je vais te donner un code aussi. Ah, si mais le code, là, faut pas que je le montre. Faut pas que les gens le voient. OK, d'accord. Sinon... Fortement, recommandé d'écouter La colère des doux sur de bons haut-parleurs ou chaussez vos meilleurs écouteurs. Ça vaut la peine. Tout ne sera que plus doux, mais sinon, c'est pas grave. Ça va marcher pareil. On n'est pas encore fâchés. Ça, c'est drôle. Okay. Là, donc, je t'ai envoyé un petit lien. Yes, sir. Mais là, faut pas que les gens le voient. Les gens le voient pas. OK, OK, cool. Bon, j'ai rentré le code. Zing, zang. Là, tu peux. On va arrêter la musique. Wow! Pour vrai, ça n'a pas rapport. Qu'est-ce que vous avez fait là? Genre, voyons donc, aïe aïe donc, c'est donc bien hot, c'est donc bien beau! Hein? C'est beau, hein? Oui, c'est ça, pour rapport. C'est lui qui a dessiné ça. Ça a vraiment pas rapport. T'entends l'eau un peu, puis c'est un peu... Fait que là, tu pèses. Wow! Wow! Yeah! Wow! All right! Yeah! Come on! Do-da-do! All right! Do-da-do! Yeah! Est-ce que ça va bien? Non! Yeah! J'ai rien entendu! Hey, est-ce que ça va bien? Non! Quoi? Ça va mal? Oui! Alright! Yeah! Alright, ça va mal! Woo! C'est normal! Grande nouvelle, le monde va mal! Le monde va mal dans la cité, dans la ville. C'est James Brown. Oh, hey! c'est moi, je me sens mal. Moi aussi, je me sens mal. Moi aussi. Arrête donc, toi aussi. Certainement. Ça va tellement mal en ville, ça nous rend lettre. La ville est tellement lettre, elle rend le monde lettre. En dedans pis en dehors. Lettre, lettre, lettre. La ville est tellement lettre. Tout est lettre, tout est sale. Trop de monde calme, sale pis lettre. C'est pas d'hier que le monde est cave, mais est-ce que juste moi où le monde cave est de plus en plus cave? Cave plus lettre égale normal, mais c'est normal, right? Oui! C'est normal, ça! Oui! Hey! Pense-y deux minutes, c'est-tu normal? Non. Non. All right! Toi, dans le fond, subis tout ça. Comme tout le monde. Toutes les petites frustrations refoulées qui s'accumulent dans ton corps, ça fait comme un petit tapis d'angoisse en humeur. T'es toute tendue et toute poignée en pain, ton corps est meurtri par le stress. C'est pas juste toi! Tout le monde est de même. C'est dans l'air, comme un poison, ça se sent, ça rend le monde calme. Regarde dehors pour voir. Les chars klaxonnent pour rien, ça se coupe, les gens s'en vont chier. Le monde va mal. Hey, tu sais qu'elle est vraiment bonne, là. Oui, c'est du bon navet. Fait que là, tu finis ta journée. Tu rentres dans ta cuisine après avoir passé la journée dans ton salon. Ta petite pièce blanche de réalité augmentée. Des heures puis des heures de meeting avec tes lunettes Kudo. Dans un beau condo. Avec tes collègues en dessin animé. Au moins, c'est pas un odorama. Et en même temps, t'es content de pas avoir à sortir dehors. Juste à regarder dehors, ça t'épuise. Il fait frais, c'est lettre. À partir de midi et demi, il fait noir. Même le soleil est tanné. Avant d'enlever ta patch numérique, ton ami t'appelle. Hey yo, what's up, pop et pop? Ça a l'air qu'il se passe quelque chose. C'est big, l'heure est grave. Ils ont jacké le prix des bananes, mais genre... Pardon. La fin des bananes. Ils ont jacké le prix des bananes. C'est maintenant, sinon, adieu, bananes. C'est ça, sa prémisse, tu veux. Alors, on va pas trop mixer, là. Allons en voir d'autres, si tu veux, mais je veux pas trop voler de punch, mais là, ça, c'est sa prémisse. OK. Le prix des bananes a été jacké en malade.
Wow. Puis là, le monde sort. Là, après ça, t'as des. La colère des doux. La colère des votre histoire. À partir de maintenant, avancez dans votre petite saga en suivant les chiffres sur la carte. Chaque scène, regardez en débloquant une nouvelle. Vous pouvez aussi, entre deux chapitres, faire un détour en dehors de l'histoire principale pour aller jeter un œil vagabond sur ce qui se passe ailleurs sur la carte. Ces visites-là n'ont pas de chiffres et se font dans l'ordre de votre choix. C'est votre destin, c'est vous qui décidez. Une barre de menu se trouve sur la gauche de votre écran pour faciliter votre navigation. Bonne colère. Waouh, mais c'est super, aïe aïe. Fait que ça, c'est les petits villages fragmentés, tu sais. Fait que tu cliques sur les numéros pour l'histoire principale, mais tu sais, tu peux aller cliquer, je sais pas, mettons... Val-d'Or. Check, va en bas, mettons... ouais, Val-d'Or ou... Wilkes-Barre, la mayonnaise. Ouais, Wilkes-Barre, ça, c'est un court-métrage de comme 15 minutes qui est en périphérie de l'histoire. Ouais, on peut l'écouter colline, un peu, si du colline! Bicoline, ouais, vas-y, allons voir. Ah, ça, c'est des petits reportages style La Presse. C'est B, Saint-Anne-de-la-Perche. Les cours, là, c'est beaucoup ton collègue, là, Julien Charbonneau. Oui, Julien Charbonneau avec de nous. Qui fait ça. Donc, Wilkes-Barre, c'est lui qui a fait ça? Ouais. Non, ça, c'est nous, mais les plus courts, là, okay. Il y en a de 1 minute ou 2 minutes. C'est pas mal lui qui a fait l'infographie et le montage. Wow. Regarde, il y a un peu de tumeniaise un peu partout. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cool comme projet, là. Pour vrai, c'est, ça n'a pas rapport, là. Ben écoute, j'ai hâte de voir, là, tu sais, la réaction. Ça sort gens, demain, c'est ça? Ouais, ici, ça sort demain. Ici, notre valeur première, c'est l'accueil. Que vous soyez noir, transbinaire, two-spirit, en situation d'hémophilie, sagittaire, anglo, triste, toutes ces réponses, vous êtes valides, vous êtes forts, on vous accepte, on vous accueille. Wilkes-Barre vous offre un espace sécuritaire où il fera bon partager vos trans. C'est comme une pub un peu pour y aller, tu sais. Oui, c'est ça, tu sais, chaque village fait un peu sa promotion. Venez à notre village. Ah. Lui, l'histoire, en gros, c'est que le gars, il va l'expliquer. Wow. J'ai passé mon enfance sur mon ordi. Nuit et jour. Je m'excuse. Sur YouTube. À checker des tutoriels sur tous les sujets les plus pointus. Mais dans ma communauté, à Relishburg, c'était pas super bien accepté. Relishburg. Des condiments, pas des compliments. C'était l'adage du patelin. Il y a une fente dans le petit pain hot dog, puis avise-toi de viser droit dedans si tu veux pas te ramasser à terre. La vie était aigre et les farces salées. L'affaire était vraiment pas ketchup pour moi. OK, non, attends une minute, je vais aller voir d'autres affaires, là. Ça, c'en est un plus long. Il y a Granby aussi qui est plus long en périphérie, mais sinon, c'est des petits quickies, là. Comme, va voir en bas, mettons. Il y a ma chiche. Ouais, celui que tu veux, dans le fond. Bicoline, une tente. Fait que là, c'est quoi? OK. Fait qu'on trace mon chemin, là. Genre, on ça, voit c'est quoi mon chemin. Ouais. Ça peut faire une étoile après. Ouais. Oh, wow. Ça, c'est des genres de reportages La Presse, tu sais. Mais ça c'est 100% Julien, là, ça. Oh oui, je reconnais le style, là. Il y a même le... C'est ça, c'était le décor de Tumoniaise, là. Regarde. Check. Attends une minute. Regarde ça ici, là. Ah non, OK. Je pensais que c'était comme la vallée mauve, là. OK. Wow. Ouais, ça, c'est du Julien. Mais pour vrai, je m'excuse, mais ça, c'est super, là, genre... Ouais, ça, c'est plein de petits quickies, des petites histoires. Non, mais je veux dire, ce projet-là, en général... C'est malade, c'est incroyable, t'sais. Là, je m'excuse, mais wow, là. Ben, dans le fond, à l'automne, on a fait une espèce de labo, tu sais, comme c'est là qu'on a créé Wilkes-Barre, Granby, puis le premier passé l'étape, tu sais. Fait que on a travaillé en silo un peu. Moi, je fais un peu des SFX, puis tout le Foley. Puis Navet fait la musique, puis le mixage final. Puis c'est Olivier Morin, évidemment, qui fait toute la petite job incroyable de visuel, là, à part les quickies là, où Julien est venu en renfort. Mm-hmm. Fait qu'on on a fait 3 courts-métrages de 15 minutes. Puis comme ça, après ça, fort de tout ça, on s'est fait des meetings pour voir comment on pouvait améliorer la formule. Puis là, on s'est lancé dans... Dans ce film-là, au complet, là, tu sais. Mais c'est vraiment super, tu sais, comme les gens disaient, faut se réinventer, mais ça, c'est genre... C'est réinventer quelque chose, là, genre, je sais pas c'est quoi, c'est comme un hybride entre... C'est pas du théâtre, vraiment? C'est-tu du théâtre? C'est quoi?
Ben, tu sais, écoute, c'est un hybride là, entre c'est le projet multimédia. Clip, c'est ça que c'est. Le cinéma, c'est multimédia, ouais. Va voir, il y en a un qui me fait rire. Attends, il y a deux commentaires. Il y a quelqu'un qui dit qu'avec ta barbe, t'as l'air de Walter White, Bryan Cranston, dans Breaking Bad. Ok, ouais. Je trouve que t'as l'air de Walter White. Puis il y a quelqu'un qui te pose une question qui dit « Avez-vous jasé de leur participation à l'opéra rock des Hôtesses d'Hilaire? Je me demandais comment il a trouvé sa rencontre avec les boys des Hôtesses. La mise en scène était vraiment super. » Man, les men, ça, c'est un cadeau de la vie, là, mettons, là, tu sais. Ben, oui. Ces boys-là, là, c'est comme des amours, là. Tout le monde veut faire un projet avec les Acadiens, man. C'est une famille serrée. Il y a tellement d'amour là, avec ces gars-là, ils sont tellement drôles, ils sont pas tuables. J'ai capoté là. Mais c'est quoi, t'as fait la mise en scène, c'est ça? On a fait la mise en scène à trois. Donc, avec Olivier Navet puis moi, on a fait tous les meetings de pré-prod ensemble, puis on a tout monté, si on veut, la mise en scène ensemble, mais c'est moi qui ai été délégué après pour aller tout monter ça avec le band. Là. Ça, d'ailleurs, là, pour vrai, les Hôtesses d'Hilaire, c'est vraiment super bon là, au niveau musical, ça n'a pas rapport. C'est fou, là. Mais l'as-tu vu, ce show-là? Il est gratuit sur YouTube. Hein? Oui, je l'ai vu. La captation est folle. Ouais, c'est tellement bon. C'est quoi déjà? C'est Hôtesses d'Hilaire. Puis c'est quoi déjà le nom de tout ça? C'est... Viens avec moi. Viens avec moi. Les Hôtesses, moi, quand je suis arrivé, on a fait des stretches de répétition là, pour le show. Okay. Je suis arrivé, la musique était déjà prête. Là, le show était déjà bon. C'est juste comme de... Ouais, c'est ça. Pogner des coches. Mais moi, tu vois, il m'avait demandé aussi de travailler sur ça. Il avait dit comme, ça te tente-tu, tu sais, vu que t'es comme full, tu sais, tu fais beaucoup d'affaires de clips vraiment fuckés, je suis sûr que tu fitterais avec la... J'étais comme, ah, mais moi, je fais pas de mise en scène de théâtre, là, moi, je serais pas capable. Puis je pense qu'on a droppé ton nom, je pense qu'on a dit, ah, mais il y a Guillaume Tremblay, lui, il serait vraiment bon. Ah, oui. J'étais avec Julien Corriveau, on était dans un show, je m'en rappelle pas où, c'était La Nuit Blanche. OK. La Nuit Blanche, puis là, j'étais comme, mais je peux pas faire ça, tu sais. Puis on avait droppé ton nom. Fait que je sais pas si c'est à partir de là ou si c'est juste une autre affaire ou c'est un concours de ça. Ben, ça se peut. Je sais que Serge, on se connaissait de il y a longtemps, mais tu sais, juste comme on a fait quelques parties, un show de musique aussi ensemble un moment donné. Tu sais, je sais qu'il m'aimait bien, mais il est venu voir Les Secrets de la Vérité, justement, qui est notre show le plus dark, fucky. Puis il a adoré ça. Après ça, il a dit, OK, ces gars-là vont comprendre tout ce que je veux faire, tu sais, comme il a dit, OK, ils sont capables d'aller là. Ouais, ouais. Je leur expliquerai pas deux fois où c'est que je m'en vais avec ça. Là, non, c'est comme, ben oui, là, ça va être ça. Ah, oui, oui, tu sais, des fois, c'est plus facile, effectivement, que du monde qui sont comme plus branchés, là. Avec... Ah, tu as vu Michel ici, là, avec la caméra, là, excuse-moi, là, ouais, ouais, ouais. On voit, là. Lui, là? Lui, c'est le DT, ouais, lui, on l'a rencontré là, c'est Michel Fordin. Lui qui est devenu, on l'a engagé pour être le DT, justement, de La Colère des Doux, là. Okay. Ça, c'est le genre de gars, là, une perle, là, un directeur technique là, qui il peut tout faire, de la menuiserie, des machines. Sur le show des Hôtesses d'Hilaire, c'est lui qui avait créé la balayeuse qui lançait de la poudre au retour de l'entracte. Je sais pas si tu te rappelles. Là. Regardez, ouais, ça doit être à peu près au milieu du show. Là. Écoute, ça vaut la peine de checker ce petit bout-là. Là, quand même, c'est épique. Là. Mais tu sais, c'est le genre de gars, il dit « Ouais, je vais te faire ça ». Il a fait un gros nez avec un système, une balayeuse en arrière, puis un gros... avec une grosse sortie, ça va être après ça. Puis il mettait de la neige dedans. Ça c'est la fin de la première partie. J'ai vu ça sur Facebook Live à un moment donné, je pense au début de la pandémie. Là, la pandémie, présentait. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme waouh, ça n'a pas rapport, mais waouh, c'est donc bien beau ça. Écoute, c'est tellement trippé. Moi, j'étais un fan du show. Après, j'étais comme. Ouais. Non, c'est l'équipe était ça. Folle. Fait que ça, c'est la fin de ça, c'est quand c'est beau. Ouais, non, c'est vraiment super. Puis en plus, check ça, toute la bande est puis là. C'est t'sais. Des musiciens, là. Non, c'est ça, c'était comme. C'était un show de musique vraiment nice, là, ce genre. Wow, si jamais vous n'avez pas écouté ça, je recommande à tous d'aller voir ça. Là, je peux pas mettre la musique parce que probablement qu'on va se faire flaguer, là, parce que c'est ça, c'est de la musique. Ben oui, c'est ça, je peux pas les mettre, la musique, mais. Avance-le un peu, tu vas voir le gros nez. Un petit peu. Ah, ça, fait que là, il va avoir l'entraque. Okay. Ça, c'est le gros bout d'entraque. Est-ce que c'est avant ou après? D'être clair. Et après. Après. Pour la toune, la poudre, c'est de la merde. Mon billet est acheté. MC Crotte, tu sais qui a déjà acheté ton billet pour. Regarde, on en a vendu un. Yeah!
Mais écoute, j'espère que... Écoute, pour nous, tout, t'sais, chaque billet est comme une nouvelle affaire. Chaque, t'sais, tout est nouveau. Là. Ben oui. Je souhaite vraiment que ça fonctionne comme... beaucoup, là, que le mot se passe, parce que c'est un projet incroyable pour vrai. Ce que vous avez fait, ça n'a même pas rapport. Là. Ben, ça serait cool. Là. T'sais, on va se refaire. Là. Parce qu'on ne peut pas passer notre vie au casino non plus. Là. Ben non, c'est ça. Mais ça, j'imagine que vous avez dû recevoir une subvention, right, pour faire ça? Ouais, ouais, on a eu un peu de sous, là, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est pas le 1/8 de 10 minutes de District 31, là, tu sais. Non, non, c'est ça l'affaire. Les gens seraient surpris à quel point ça coûte cher faire des projets, tu sais. Comme des fois, on nomme un montant, puis ils font « Quoi? » Puis t'es comme « Non, non, c'est rien, là. Personne n'a été payé comme même le salaire minimum. » Des fois, c'est comme... C'est ça. Les gens comprennent pas là comment des fois ça coûte cher toutes ces affaires. Ben c'est la lourdeur, tu sais, dès que tu parles de télé ou de cinéma, oui. Tu commences à parler de location de gear, d'achat, de là, plus de monde, puis ça va vite à d'un gros pour chiffre. Une là. Caméra là, mettons là, pour les appendices, nous autres il y avait 3 personnes qui s'occupent de la caméra, tu sais, tu as le cadreur là, tu as le DOP, puis t'as l'assistant cam qui, lui, il fait juste faire le lien entre les objets pour la caméra puis le DOP ou le cadreur. T'sais, t'es 3 personnes, là, tu sais. Fait que les gens n'imaginent pas que c'est ça la structure d'un projet, tu sais. Que... Fait que là, t'as 3 salaires d'être là, puis après ça, t'as même pas la caméra, puis t'as même pas les lentilles, puis t'as même pas, genre, les spots, puis t'as même pas toutes les autres, les gobos, les stands, les électros pour manier les spots. Après ça, après ça, il te faut un camion pour la lumière. T'sais, ça va vite, là. Ah oh ouais, écoute, non, c'est l'enfer, là. Ben, c'est ça. Fait que nous, on a été assez économes. Il y a une affaire que je suis assez fier, là, c'est que il y a beaucoup de trucs qu'on a filmés, surtout pour la dernière partie du show, avec le iPhone 11 Pro. Uh-huh. Hey, Soderbergh là, vient de faire un film là-dessus. Il veut plus jamais retourner en arrière. Ah ouais? Mais écoute, ça, même dans le noir, là, ça, quand tu n'as pas beaucoup d'éclairage, ça prend vraiment des belles shots. Ah ouais? Puis de toute façon, on a beaucoup de post-prod. Fait que ça apparaît pas, mais c'est super beau. Mais je l'ai acheté sur Amazon, mais je l'ai gardé moins qu'un mois. Fait qu'à la fin, je l'ai tout remis à neuf, puis je l'ai renvoyé, puis on s'est fait rembourser. Mais tu sais, j'étais vraiment content de s'acheter ça. C'est la nouveau. Technique TV aussi, là. Genre, ils achètent des codes. Ben, tu sais, ils achètent du linge, mettons, puis après ça, ils retournent le linge. Ouais, c'est ça. Mais ben, j'étais content, c'est quand même un coup de 1500. C'est ça, le gros nez, là. Ouais, le gros nez, ok, regarde. Là, si on le voit, là. Ouais, on l'a vu en haut, hein, il est là. Tu sais, tu vois le gros nez, mais il pige de la poudre, là, tu sais, puis avec l'éclairage, c'est malade, mais tu sais. T'sais, là, ça, OK, t'es là, OK, cool, une grosse marionnette, mais tu sais, faut le faire, là. Puis ouais, Michel, là, il a tout fait ça tout seul, là, il a tout imaginé, coupé ça, découpé, aller chercher à balayeur. Ça, c'est ce genre de gars-là, tu rencontres des gars de même au théâtre, là. Je sais pas, au cinéma puis à la télé, il y a peut-être trop de départements. Ouais. Où il doit avoir des gars de même, mais tu sais, au théâtre, tu peux avoir un gars comme ça, il sait tout faire. Tu sais, comme, il va faire, OK, ouais, d'accord. OK, puis là, il va partir, puis un moment donné, il va arriver, il va t'appeler. Garde bien voir, puis tu fais comme, ben voyons donc, c'est quoi ça? Ben oui, c'est ça. Puis là, t'es super content du résultat parce que t'es comme, genre, ben oui, c'est ça, c'est exactement ça, bravo. C'est ce que je voulais, tu sais. Ouais. Mais ouais, pour répondre à la question, écoute, les hôtesses dealers, là, hey, c'est formidable, puis moi, je les ai tellement aimés, puis ils étaient tellement bons, puis tu sais, on les a pousser le plus loin possible, tout ça, mais eux, ils se poussent déjà beaucoup, là. Puis on, tu sais, comme, on était là pour faciliter les liens, faire des petites coupures, s'assurer qu'on comprend. 77 pouces en l'air pour ça, là, je veux dire, regarde. C'est 5 avril 2020 que ça a été posté sur YouTube. 2800 vues. Ça n'a pas rapport, là, ça devrait être bien plus de vues que ça, là. Ça, en tout cas. Man, c'est les Doors acadiennes, là. Exact. C'est tellement fort musicalement, là. Ouais. Non, pour vrai, là, c'est comme super prog. Parce que les gens aussi, je pense qu'ils ont été choqués un peu par l'image du chanteur en robe. Là. On va comme... Ah oui, c'est vrai, il y avait eu... Puis c'est comme juste, ben oui, mais là, je veux dire, c'est qui David Bowie? Je veux dire... Oui. Tu sais, là, même Aerosmith, à la limite, là, je veux dire, as-tu regardé Aerosmith? Ouais, Aerosmith, c'est un excellent point. Je veux dire, excusez, là, mais mettons, là, dans les années 90, là, peut-être pas là, là. Regarde, je peux pas trouver l'image, mais... Bon, OK, ça veut rien... Regarde, j'ai pas mon point, OK? Je l'ai pas réussi, mais en tout cas... Non, mais tu sais, dans le sens... Ben, ce que tu veux dire, c'est que les gens,
exige une certaine normalité où tu sais ils sont choqués. Il avait chanté, je pense, à Radio-Canada ou quelque chose. Mais oui, ils sont tout croche, tout le monde est, tu sais, je veux dire. Des capotés, puis ils sont tellement travaillants. Personne n'a chialé. Oui, c'est ça, tu sais. C'est ça. J'ai jamais entendu de plainte. J'ai jamais entendu de plainte, tu sais, jamais. Regardez là. Jamais. Les amplis, tout ça. Il est quand même, il est plus soigné aujourd'hui. Hein. Il a l'air plus en santé. C'est ça. L'adénochrome. Où il a arrêté la drogue? Un des deux. On peut pas, je sais pas. C'est quoi l'adénochrome? C'est les glandes pinéales des enfants. Puis là, tu peux t'injecter ça? Ouais, c'est pour ça le pédosatanisme, c'est qu'ils sont... Ouais, ils cultivent des enfants pour prendre leurs glandes, puis là, ça fait en sorte qu'ils vont comme être plus jeunes et vivre éternellement un peu. Là. C'est comme la cure de jeunesse, là. Donc c'est ça, là. Wow! Ouais. Donc, wow. C'est ça, ouais, c'est de là, écoute, de là tout vient, ces affaires-là. Comme tu disais, les secrets de la vérité, là, ça avait l'air ben voyons, ils poussent un peu il y a 4 ans, puis là, c'est comme, que tu me dis là, genre... On serait même pas dans le show, là, tellement que c'est rendu poussé. Là. Ouais. Les extraterrestres, nous, c'est quelque chose dont vous jasez souvent, vous autres, dans vos podcasts? Là, oui, énormément. C'est quelque chose qu'on jase souvent, oui. Ouais. Oh, ouais. C'est ça, tout revient un peu à ça. Hein? Ben, en fait, mon ami Philippe, lui, il est convaincu qu'ils s'en viennent, les extraterrestres. Il dit, dans un an, ils s'en viennent, ils sont là. Là, je suis comme, mais non, dans Philippe. Un là, an. Dans un an. Je vous dis, dans un an, les extraterrestres. Je suis comme, mais non. Mais, ouais. J'aime ça, tu sais, il y a comme, ce qui est malade, c'est que, ben, tu sais, l'affaire des extraterrestres, fine, mais tu sais, même dans tout ce qui est Trump ou les conspirations, tu sais, il y a un côté extrêmement irrationnel, mais il y a toujours une date. c'est comme une affaire complètement flyé, mais qui vient toujours avec une date précise. T'es comme, hein? Ça fait OK, le 12 mai. Ouais. Mais ben là, ce qui paraît, c'est que Trump va revenir, mais que? C'était supposé être en mai, puis là, ça a changé. Là, c'est rendu le 4 juillet. Fait que là, à la fête de l'indépendance des États-Unis, Trump va revenir, d'après moi, sur un grand aigle. Okay. Dans les ciels, comme ça, avec les feux d'artifice partout, qui vont péter. Fait que là, c'est ça, là. Donc, Crime, là, t'as vendu 3 billets, mon cher. Wow! Hey, mais continuons le tour. Je vais te montrer un petit peu en exclusivité là, pour Mais gens qui se couchent tard. Là, on veut pas non plus voler des punchs, là, t'sais. Non, c'est ça, mais je vais te dire où cliquer pour pas trop en voir. Fait que clique sur 2. Le 2, ouais, OK. Saint-Ludique des Blédindes. Ah, attends une minute, on n'est pas là. Fait que ça, c'est Saint-Ludique. Et vous autres, à Saint-Ludique des Blédindes, c'est la belle vie. C'est la société que tu parles. En écoutez, je t'en laisse 30 secondes. Enfin, esti, ça va bien. Ça va bien! Est-ce que ça va bien? Oh! C'est un peu giant. Tout le monde est en mode ludique. Hey, check mon déguisement de poney! Hey, on fait-tu la pâte à modeler? Oui! On fait-tu la pâte à modeler? Mais arrêtez là, c'est trop de punch, trop de punch. Ok, mais, non, mais c'est on va aller bon. Checker l'autre après. C'est bon en tabarnak. Le 3? Là, après ça, le 3. Ouais, là, il s'en va habiter à Charny, tu sais. Fait que je vous dis. J'en dis pas trop, parce que, tu sais. On peut checker un peu l'animation du début, mais c'est l'autre après, passer l'étape, le feeling, tu sais, quand on arrive en ASMR, je vais te montrer. Ok, mais regarde, on peut, je peux canceller, mais anyway. Bon. Ouais. Le 175, l'étape? Okay. Ouais. On vient de skipper Big Charny Toons. Vous ouvrirez les yeux. Seront-ils déjà ouverts? Wow. Pas de sourcils. Nous reprendrons du début. Oui. Vos yeux seront fermés. Oui. À ce moment même, clos. Vous le ferez. Maintenant. Vous participerez. C'est le jeu. Qu'aurez-vous à perdre? Du temps. Trouvez mieux. Trouvez mieux comme excuse. Vous laisserez donc vos paupières chaudes draper le globe humide de vos yeux. Plein écran, là, oui. De même. Vous songerez à combien il est doux de rester ainsi, les yeux emmitouflés dans leur sac de couchage. En doux déni des dangers de la route qui défile. Vous lâcherez le volant. Les yeux fermés,
Encore quelques secondes. La 175 semblera juste assez droite pour... Vous ouvrirez les yeux. Seront-ils déjà ouverts? Escale urinaire. Hameau perdu sur la 175, entre Québec et Saguenay. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Lancerez-vous la face un petit peu en sang? Votre main ouvrira lentement la porte de l'immense chalet rustique de l'étape. Que voulez-vous-tu? Vous dira-t-on merci? Asile pour la nuit, répondrez-vous. Wow. Car la fortune m'a fait faux bond et le soleil glisse déjà lentement du côté des épinettes. Je pilote ce petit Cessna 172 converti pour la route et c'est bien la première fois que ce fidèle appareil me compte une couille. C'est des bonbons appareils, Diggy. Vous dira-t-il? Yeux tend distraitement sa lasagne. Ok, non, faut pas trop que je regarde là, parce que là, je vais voir toute la checker, là, mais waouh. Tout d'un coup, c'est la moitié du show, là, tu sais, là, on rentre vraiment dans un espèce d'univers Edgar Allan Poe, une espèce de poésie, puis les animations d'Olivier, puis de plus en plus cinéma, un peu... En tout cas, il y a beaucoup de monde qui a travaillé là-dessus, hein, check ça, tabarnak. Mais pour vrai, là, je regarde ça et je me dis, je pense qu'on serait dû pour qu'on joue à Donjons et Dragons ensemble. Je pense que ça serait. Sure, man. T'as-tu joué à Donjons et Dragons? Ben oui, hey, quand j'étais petit, là, j'ai joué. Quand j'étais au secondaire, je pense peut-être 1-2. Hey, Gino Palourde! Bonjour, salut, merci. Salut, hey, Gino Palourde! Tu connais Gino Palourde? Ouais. Je suis ami avec. C'est lui qui m'a mis sur cette plateforme-là. Là. Puis des fois, je joue avec lui à. Le jeu, là, tu sais, on est des petits bonhommes qui se promènent dans le vaisseau spatial, puis là, il faut trouver le traître, là. Among Us. Oui, c'est ça, exactement. Avec Gino Palourde. Juste au mois d'octobre, là, avant qu'on commence la prod. J'ai disparu de la map, sinon je vais retourner jouer. C'est mes premières soirées off, là, un peu. On a rentré comme des fous, là. Là, tu sais, en ce moment, je suis dans le petit studio. Ça qui est cool aussi, là, je suis vraiment content de celle-là, c'est que le décor du show, étant donné que c'était la pandémie, on s'est construit des studios sur scène pour enregistrer les voix, puis, tu sais, toute la pré-prod. Les studios, on les a faites pour pouvoir les ramener chez nous. Fait que là, en ce moment même, je suis dans un boot que je peux utiliser maintenant, tu sais, pour faire toutes sortes d'affaires. Puis entre autres, j'ai fait tout le foley du film avec ici, oui. Tu sais. Fait que j'avais un ami m'avait passé un micro, petit micro MKH50, là. C'est, mm-hmm. c'est la perche qu'ils prennent pour faire les séries américaines, là, puis ça. Puis là, j'avais mes bottes, puis mes affaires. Puis j'ai écouté plein de documentaires sur le foley. Je sais pas si tu connais un peu ce métier-là. Là. Ben oui, ceux qui font les effets sonores. Mais là, tu dis pour le film, donc quel film? Ben dans le fond, toute la partie passer l'étape. OK. C'est une espèce d'animation, mais ça vient vraiment en film, là. OK. Tu sais, fait que là, ça devient vraiment un film. Fait que là, tu sais, il y a souvent du foley un peu quand il marche dans la neige. OK. Quand... Il pogne l'autre, ben tu fais une petite passe de linge. Mais voilà, fait que. T'as tout fait dans le fond le son. C'est toi qui as fait le son de l'univers un peu sonore, dans le fond. C'est ça. T'sais. D'habitude, c'est Navet qui fait tout ça. Mais là, on voulait se diviser un peu aussi. Puis lui, ben, ça. Comme ça, il s'occupait de faire vraiment la musique, puis le mix final. T'sais. Fait que c'est lui qui est le chef d'orchestre à la fin, s'il y avait quelque chose que j'avais mis qui passait mal dans le mix. C'est quand même utile que tu aies fait des études en radio, puis tu connais ça, les micros, là, tu sais comment... C'était ça l'idée. Là. Ben oui. Ben, c'est ça. Moi, j'avais mis un peu une croix là-dessus, comme je t'avais dit, quand je rentrais au conservatoire, là, je touchais plus vraiment
tout ce qui est son, montage, tout ça, c'était fini, là. Mm-hmm. Tu sais, c'était genre, là, t'as plus le droit, là, tu sais, maintenant, t'es comédien. Mais là, avec ça, dès que la pandémie est arrivée, il y a deux affaires qui m'ont venu en tête, puis j'avais comme l'intuition depuis un petit bout, là, où, l'instinct, mais je m'étais préparé à me faire un studio, là, tu sais, pour commencer à faire ces affaires-là. Mm-hmm. Puis, je voulais déménager aussi en Estrie, tu sais, ce que je fis, là. Fait que là, en ce moment, je te parle de l'Estrie. Ben c'est ça, là, t'es en Estrie, là, tabarnouche, OK, même pas à Montréal, ouais. Il est rendu en Estrie, fait que une grande maison, là. Ouais, ouais, c'est une vieille maison de 1880, à peu près. Tabarnak, hey, les premières journées, là, man, là, on avait juste mis les boîtes, là. Une vieille maison, là. Mon gars, là, il fallait que je vienne un soir chercher, je sais pas trop quoi, pour ma fille, vers 10h. Il fait noir, man. J'avais les jetons, mon gars, là. Tu sais, c'est clairement habité, là. Mais, puis même la dame nous avait dit, c'est un peu habité, mais c'est des bonnes énergies, là, tu sais. Uh-huh. Mais la maison est full joyeuse. Tu sens qu'il y a eu des parties, c'est écœurant, là, l'énergie dans la maison. Mais, tu sais, c'est sûr qu'une vieille maison, là, quand il n'y a pas de meubles, mon gars, là... Ouais, moi, j'aurais lâché. En tout cas, moi, je suis un peu peureux, là. J'étais comme... Es-tu peureux un peu, toi, pour ces affaires-là? Ouais, moi, j'ai la chienne par rapport aux fantômes et à toutes ces affaires-là, là, comme... Oui. Ouais, j'écoute ouais. pas de films d'horreur pour cette raison-là, parce que sinon, je m'invente des scénarios et tout, là. Fait que... C'est ça, là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme... Moi, je suis ami un peu avec un réalisateur qui s'appelle Stéphane Lapointe. Uh-huh. Puis lui, un moment donné, il était venu voir La Vague, puis tout ça. Puis il était, hey man, on va faire de quoi? Puis lui, il adore les films d'horreur. T'sais, souvent, les gars en cinéma, là, ils adorent ça. Mm-hmm. Là, il voulait qu'on brainstorm là-dessus. Puis j'étais comme, tu sais, peut-être aujourd'hui, je le prendrais d'un autre angle, mais j'étais un peu comme, man, c'est tellement pas ma tasse de thé. Mais peut-être qu'on serait les meilleurs. Pour écrire ça, si on confrontait nos déjà. Peurs. C'est ça, parce qu'on a la sensibilité de faire « OK, ça, ouais. Si moi, ça me fait peur, il va bien avoir que ben, ça va aller chercher. » J'imagine que ceux qui font des films d'horreur, c'est ceux qui ont peur. Ils ont souvent peur quand ils écoutent des films d'horreur. Mon ami Philippe, il en écoute beaucoup des films d'horreur. T'sais, des fois, ouais. Il s'en part un à 3h du matin, puis t'es comme « Va te coucher, fais pas ça. » Mais, ouais, il en écoute beaucoup. Mais moi, ça doit être des gens qui confrontent leur peur, peut-être, effectivement, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, qui sublime un peu les trucs-là. Mais sinon, toi, en pandémie, mettons, t'as-tu... Hey, là, j'ai commencé, moi, à faire un... Je suis zéro manuel. Okay. Là, un de mes meilleurs amis, il est ici à côté, puis on a commencé à faire un sauna en un baril, tu sais, en cèdre. Puis j'ai presque fini, tu sais, puis j'en reviens pas. Je suis comme... Ben, tu sais, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, là. Uh-huh. Mais tu sais, j'en reviens pas, là. J'essaie de... Mon buzz, c'est de faire des nouvelles affaires, tu sais. J'avais jamais fait, mais t'as-tu, je sais pas, développé un nouveau passe-temps étrange? Ben, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai appris le japonais un petit peu. Okay. J'ai appris, ouais, quand même. Sinon, ben, j'ai appris à faire j'ai appris à utiliser un PC, un ordinateur. J'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris? Twitch, j'ai appris faire des lives. Ouais, c'est ça, là. Ouais, plein d'affaires comme ça, là. Je me suis vraiment pitché dans le travail, moi, je te dirais, là. Ouais. Ah ouais, pitché dans le travail, ben comme faut, là. Genre, je pense que j'ai pas vraiment de fin de semaine tant que ça. Tu sais, genre, ça fait longtemps que j'ai pas eu un samedi de congé où j'ai pensé à rien d'autre. Ouais. Comme, je sais pas. Mais t'en fais beaucoup, là, tu sais, t'emmènes large, là. Ouais. Plein de projets d'écrit, de fond. Tu produis, tu animes. Je fais toutes sortes d'affaires tout le temps, là, fait que... Je peux pas décrire mon travail au complet. T'sais, je fais trop d'affaires. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Ah, bravo. Mais toi aussi, sûrement. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Mais moi, j'ai un enfant maintenant. Ah, voilà. Mon gars, là, ça tu sais, c'est sûr que... Puis c'est pour ça, en ce moment, que là, pour moi, il y a comme un genre de renouveau puis d'affirmation aussi, là, je dirais, là, tu sais, sur certaines affaires que je... OK, tu sais, mais tu sais, les 3-4 premières années, là, elle a 4 ans, mais tu sais, c'est comme... Tu deviens... En tout cas, moi, je suis devenu complètement gaga, là, tu sais, j'étais comme... tu sais, genre... quand j'étais à Montréal, là, j'allais apporter à la garderie le plus tard possible. Là, je prenais mes rendez-vous tout plus tard pour pouvoir comme être avec ma fille jusqu'à comme 10h30, 11h. Même si je me faisais chicaner à la garderie. T'sais. mais là, j'essaie de... c'est ça, là, je crée des nouvelles affaires. J'essaie de travailler sur du nouveau stock, mais ça reste que...
d'un enfant, ben de 5 heures moins quart à 8 heures, tu sais, c'est pas disponible, tu sais, c'est le bain, la bouffe, tout ça. Puis j'adore ça, tu sais, honnêtement, ça me fait décrocher. Je suis un peu comme toi, là, tu sais, je t'sais, si c'était pas de ça, là, t'sais, je peux mener plein de projets en même temps. Puis à un moment donné, t'sais, c'est peut-être trop. Ou c'est des époques de la vie aussi. Mais ça me fait du bien, t'sais, cette présence-là. Ben, tu vois, là, c'est pas comparable parce que t'sais, un chien et un humain, c'est crissement pas la même affaire. Là, mais j'ai un petit peu vécu ça avec ma chienne. T'sais, faut que je me déconnecte de travailler ou être dans mon écran. Faut que je m'occupe de quelqu'un. Ben, pas quelque chose. Ben, quelqu'un. Non. Ma chienne. Faut que je m'en occupe. Oh, ouais. Parce que, ben, c'est le moment présent, tu vois. Ouais, c'est ça. Un chien, là, c'est dans le moment présent. Puis c'est des besoins de base, tu sais. Mm-hmm. Puis la base, c'est chier, manger, puis dormir, tu sais. C'est ça. Elle m'avait dit ça, l'infirmière, quand on faisait les cours prénataux, je me rappelle. Tu sais, tu arrives avec plein de préceptes, puis tout ça. Puis, OK, mon enfant, ouais, tu sais. Puis. Parce qu'on est, on est allé à l'école, on travaille, fait qu'on est en constante réflexion. Puis elle avait dit, là, tu sais, vous devez vous demander quelle sorte de livre vous allez donner. Puis elle dit, écoutez bien, là, c'est pas compliqué, là. Votre enfant, là, concentrez-vous sur la base, là. Faut qu'il mange, tu sais, faut de l'amour, faut qu'il aille aux toilettes, faut qu'il soit propre, puis qu'il dorme. T'sais, tu comprends, tu sais, puis au début de la vie, là, c'est vraiment la base, là, puis t'es comme, si tu fais juste ça, là, t'en as pour 24 heures, là, tu sais. Ah ouais, pis, Le reste vient après, mais tu sais, comme, faut pas que tu mettes les autres affaires avant, mais ça te repriorise. Puis l'autre affaire qui est fou aussi avec un kid, là, c'est tout le, tu sais, elle passe à travers plein d'étapes, puis de découvertes, je sais pas comment expliquer ça, un impact sur toi, tu sais. Mm-hmm. Tu te rappelles, genre, c'est quoi? Découvrir quelque chose. Découvrir quelque chose. Ouais, tu sais, l'émerveillement face à quelque chose, ça serait le truc le plus simple, mais des fois, des traits de personnalité ou même des émotions de base, genre de « Ah, c'est quoi ça? » Puis t'es comme « Ah, moi aussi, je me sens de même par rapport à ça, mais vu que je suis rendu un adulte, tu sais, je le gère. Ben » ouais. Mais en même temps, je trouve que ça te ramène vraiment plus proche de toi, là, tu sais, c'est puis en plus, c'est que c'est un peu comme ta copie, d'une certaine manière, tu sais, c'est ça aussi, là, que tu te reconnais, parce que tu te vois, comme, tu sais, sûrement que tu reconnais des manies que t'as ou des choses que tu fais, Chris, c'est moi qui fais ça, puis là, t'as répété, je sais pas si à quel âge, je sais pas s'ils font ces affaires-là, ou tu reconnais plus comme des, mais en même temps, ça doit être... C'est jour 1, man. T'sais, le bébé, il sort, là, puis il a tout de suite une personnalité. Là. Ah ouais. T'sais, il peut être très, très timide. Puis ça, c'est comme son trait là, vraiment de base. Elle, tu sais, était un petit ange, là, mais comme quand elle se fâche, là, t'sais, elle est blonde, là, comme moi, quand j'étais petit, puis elle venait rouge vin. Ah là, ouais, t'es en tabarnak. Oh boy, man. OK, elle, là, c'est comme, man. Mais t'es comme, t'sais, fait que c'est dur pour l'oreille, mais en même temps, moi, j'étais content parce que j'étais comme, t'sais, elle peut s'affirmer, t'sais. Ouais. Fait que moi, je vais pas y dire, genre, braille pas, t'sais, comme, vas-y, là, t'sais, man. Let's go, là, t'sais, c'est le temps, là, t'sais. Ah ouais, t'sais, peut-être un jour. Ce que t'as peut-être à dire. Un jour, je vais avoir un enfant, puis on va voir ça. Oui. Regarde, ben oui, la grande aventure. Mais on dirait que d'avoir un chien, ça m'a un peu préparé à ça, comme. Oui. Il faut que je m'en occupe constamment. Tu sais, avant, c'était juste moi, mis mon SFNR. Là, tu sais, là, maintenant, c'est comment non faut que j'ai comme un horaire de vie qui est dicté par quelque chose d'autre. Tu sais. Puis, c'est aussi le fun. Tu sais, je l'ai transformé un peu parce qu'elle était vraiment pas comme ça. Là. Ma chienne était comme un peu énervée, super nerveuse. Puis là, je l'ai calmée. Puis, j'ai montré comme quoi faire. Fait que... OK. Fait que t'as réussi à quoi? À la calmer, à baisser son anxiété un peu? Exact. Tu sais, comme, genre, quand elle mangeait, on lui donnait un os, je pouvais pas la toucher. Tu sais, t'es comme, touche-moi pas, genre, c'est à moi, ça. OK, Ça, j'ai réussi à transformer ça. Tu sais, comme, elle m'a fait beaucoup plus confiance. Puis maintenant, un inconnu peut la flatter quand elle mange. Tu sais, elle est pas inquiète de se faire enlever son plat, tu sais. Puis, ouais. Puis aussi, elle jappe beaucoup à la télévision. Mais t'es de même parce que c'est un chien que t'as adopté ou c'est sa personnalité d'enfant? C'est un chien que j'ai adopté. Donc. OK, fait que peut-être qu'elle a eu des difficultés dans le passé. Genre. Je pense que c'est ça. Là, elle était ailleurs, puis elle était stressée. Puis aussi, je pense que c'est une chienne qui était très nerveuse. Puis elle prenait des médicaments, faisait de la.
Elle fait de l'épilepsie, en fait. Elle fait des crises d'épilepsie. Oh. Ouais. Fait que là, maintenant, sur une grosse médicamentation qui la calme aussi beaucoup. Fait que, okay. En y criant après, il y a quelqu'un qui dit ça dans le chat. Mais ça m'est arrivé une fois. Mais elle a compris, là. C'est parce qu'un chien, c'est pas comme un humain, OK? Fallait que je la saisisse, fallait qu'elle comprenne que c'est moi qui décide, tu comprends? Puis là, elle okay. était dans son monde de tabarnak, il y a des enfants qui se passent ici, c'est moi le boss. Rarara. Puis là, j'aurais été vraiment. Là, à un moment donné, j'ai juste fait comme hey! Pas comme ça, là, vraiment crié comme hey! Elle m'a regardé, elle m'a fait comme what the fuck? Ok, fait que là, c'était comme oh, ouais. Ça la rassure, là, en même temps. Ben non, là, elle a eu peur, elle a fait comme ok, lui, il parle plus fort que moi, là. Genre là, lui, j'ai peur de lui, là. Fait que là, quand, okay. qu'est-ce que lui, il veut, tu sais? Puis à partir de là, il y a comme eu un shift un peu qui s'est opéré. Ouais, là, maintenant, elle me check pour tout. T'sais, comme elle me regarde dans les yeux, elle fait comme, qu'est-ce que je fais là? Fait qu'elle okay. m'écoute pour tout. Là, t'sais. Puis elle m'écoute fucking bien. Là, t'sais. Genre, j'ai dit, reste là, bouge pas. Puis elle le fait. Là. Fait que j'ai réussi quand même ma mission là, par rapport à ça. Mais elle a eu vraiment peur. Elle a eu d'un chick-lit. C'est drôle, boy. Moi, je dis autre, on a un petit lapin. Ah ouais? Hein? Puis c'est un lapin nain lion. Parce qu'elle a comme une crinière, tu sais. Puis elle est tout petite. Fait que moi, dès qu'on l'a eu, t'as un lapin, là, ça, savais-tu, ça peut chier, là, 400 crottes par jour, là. Pour vrai? Une usine à marde, là. Ouais, fait que là, moi, j'ai fait, OK, t'sais, à cette heure, on a YouTube. Je suis allé sur YouTube. Il y a plein de jeunes filles françaises qui ont des lapins, genre à Paris. Alors, ouais, un lapin. Je les ai toutes écoutées, man. Là, t'es comme, OK, ouais, c'est ça, comme en haut, là. Oh, ouais, lapin, ça? Lion. Wow. Oui, c'est ça. C'est trop cute. Oh. Mais, tu sais, fait que là, la première affaire qu'il disait justement, c'est comme, il faut pas trop les gronder. Je te dis, mon gars, là, c'est tellement tout petit, là. Si t'es chicane, là, ils vont avoir peur de toi pour le reste de leur jour. Tu seras jamais capable de les prendre. Fait que, tu sais, il faut que tu dises, mettons qu'elle fait caca à terre, tu dis, ben non, je te l'ai dit l'autre jour. Tu sais, je fais exactement comme la fille française dans la vidéo. Ouais. Elle dit, mais non, on fait pas ça. Maman, tu sais, vraiment, là, tu sais, comme super cool, mais non, tu sais. Puis là, tu pognes, tu montes sa crotte, tu la mets dans la cage. Psychopathe de lapin, ça. Là. Non, mais ma blonde, elle capotait, elle était comme, man, tu sais, ça chie partout, ça arrive. J'étais là, et confiance, j'ai confiance en la fille que je connais pas sur YouTube qui a genre 4000 views. Puis là, hey, man, je te dirais que sur 400 crottes, là, il y en a au moins 397 dans la cage. Ah ouais, hein? Puis je la laisse en liberté le jour. Elle se promène dans la maison, puis elle va dans sa litière. Puis c'est comme un chat, man. Fait que l'éduquer, mais tranquillement, pas vite, puis faire comprendre caca dans la cage. C'est ça. Puis finalement, c'est aussi... Ça a l'air, la vétérinaire a dit... C'est parce que ça parle pas, hein? Mais c'est aussi intelligent qu'un chat ou un chien, là, tu sais. Peut-être pas un Einstein, mais... Ça fait pas un son. Ça fait pas comme... Ça fait... Pas vraiment, c'est ça. Fait que c'est physique. Ça fait comme... le nez de même, fait que si elle veut quelque chose, elle te pousse, puis elle pointe. Ouais, c'est comme... Elle pointe? Ouais, elle est comme touc-touc. Puis là, elle regarde sa bouffe, tu sais. Puis là, elle fait toc-toc, elle check sa bouffe, tu sais. Ah. Ou quand on nettoie sa cage, elle me liche, tu sais. Elle est comme, ah, merci, tu sais. Parce qu'elle aime ça être propre, tu sais, mais elle est dépourvue. Les autres peuvent pas utiliser eux-mêmes. Mais non, ils peuvent pas prendre une petite douche, là. Mais ça, c'est un sujet que moi, je veux savoir ton opinion. Ils sont forts en maths, me semble, les lapins. Oui, ben oui. Ben oui. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, tu sais, comme, tu sais, l'évolution, tu sais, les animaux, nous, on a évolué, tu sais, notre cerveau, tu sais, mais est-ce que les animaux, eux autres, tu sais, on avait écrit, nous, une pièce à un moment donné qui s'appelait la planète des chiens. Mm-hmm. Théorie, tu sais, c'est que tu prends un chien. Tu le mets sur deux pattes, tu sais, mettons qu'on accélère son processus, tu le mets sur deux pattes, puis là, tu y apprends à marcher, tu sais, avec des béquilles ou je sais pas de quelle manière, mais, tu sais, en combien de générations son lobe frontal va se développer, là, tu sais. Est-ce que tu penses que les animaux, tu sais, comme, ils sont, tu sais, comme, sur, mettons, 100 000 ans, est-ce qu'ils sont, tu sais, c'est quoi leur courbe, là, mettons? Tu le vois où, toi, ton lapin, tu le vois-tu comme, mettons, intelligent, un peu comme un enfant 5 ans, puis être capable de dire une couple de mots, puis avoir des mains qui bougent, puis un lobe frontal, tu sais, c'est quoi ton feeling là-dessus? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être debout pour avoir un meilleur cerveau. Tu sais, je pense qu'il peut y avoir des... Je pense que sur d'autres planètes, il y a des êtres super intelligents qui sont à quatre pattes. OK. Ouais, un peu, là. Comme, mettons, des guépards, là, tu sais, peut-être, là, genre, ou des gens de lions, là, tu sais.
Okay. Super agile, tu sais, comme très de cirque. Là-bas, il n'y a pas de cirque parce que c'est pas impressionnant. Tout le monde fait comme les moves. Le c'est cirque, ça. C'est comme juste comme, ben non, mais ça, c'est la vie normale, tu sais. Oui, fait, c'est ça. C'est ça. C'est plus la vie normale qui est un show, tu sais. Tu vas voir un show, c'est du monde qui font rien, puis ils sont comme, waouh, waouh, c'est donc bien hot. Genre, ils marchent de là à là, c'est bien lent. Capote. Des dauphins qui débroquent des jambes. Ben oui, peut-être, Roland de Night. Ouais, je pense que c'est ça. Sinon, mettons, dans 100 ans, les chiens vont encore être les mêmes. Est-ce que, comment de temps ça va prendre pour qu'ils évoluent? C'est ça, tu sais. C'est quoi son destin? Peut-être comme 100 000 ans. C'est peut-être, ça, tu sais. Dans 100 000 ans, ils vont pouvoir dire des mots. Comme un peu dans le Planète des singes, le premier, là, quand il dit « Non! » Puis là, comme tu sais, il évolue rapidement, puis là, ils ont des mots « War, brother », tu sais, puis ils disent des mots de même. Je pense que ça va être ça. Les chiens vont pouvoir dire des mots, là. Ben, je pense ça aussi, man. Pour ouais. Je le pense, tu sais. Puis on va pouvoir leur donner de la robotique, tu sais, pour les développer. Puis, tu sais, je me demande à quel point... Après ça, il va y avoir les modifications génétiques, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est super controversé au niveau éthique, mais c'est aussi très coûteux, tu sais. Mais un peu comme... le iPhone remplace une caméra de 100 000 $ ben, peut-être que c'est ça. Peut-être que les gens vont mettre... Tu sais, le Neuralink, là, je sais pas si tu as vu ça là, passer. Là, c'est Elon Musk qui veut connecter les cerveaux à genre les ordinateurs un peu. Puis c'est très possible de faire ça. Puis là, il y a toute la recherche par rapport à ça parce qu'il y a plein de gens qui sont paralysés, qui peuvent pas... Justement, on en a un. J'ai un ami comme ça là, qui est souvent là, Carl Delaurier, qui lui... il y a la... comment ça s'appelle? Je m'en souviens pas de la maladie. Mais en tout cas, là, tu sais, Ice Bucket Challenge, là? La sclérose laminotropique. Donc, il y a ça. Mm-hmm. Et puis, SLA, exactement. Puis là, lui, il contrôle, dans le fond, avec ses yeux, tu sais, comme l'ordinateur. Mais, mais là, si t'as une affaire connectée dans ta tête que tu peux écrire fucking rapidement puis tout faire, ça serait quand même vraiment nice. Mais peut-être, j'ai l'impression que les gens sont peut-être inquiets de ça parce qu'il faut quand même, tu sais, tu te greffes de quoi dans ta tête, tu sais. Fait que peut-être que les gens vont commencer par faire ça avec leurs animaux, tu sais. Ben là, oui, peut-être qu'ils vont avoir des chiens connectés comme sur Internet, puis ils vont surfer, puis là, ils vont aller voir des vidéos de chats, puis ils vont faire comme, ils vont mettre des dislikes. C'est peut-être ça qui va arriver, là. C'est nous les rois de l'Internet, c'est nous les plus drôles, fuck you les chats, puis ils vont avoir la guerre, les chats contre les chiens, ils vont avoir la guerre dans les commentaires, mon gars, là. Ouf! Ah, ça va être l'enfer. L'intelligence artificielle, on pourra plus se fier là-dessus parce qu'ils vont modifier leur algorithme pour pouvoir plaire aux chiens et aux chats, man. Il n'y a plus rien qui va faire du sens. La guerre des chats et des chiens, man. Regarde, c'est très possible, là. Je sais pas. Moi, je suis inquiet que MCR1X il dit. La guerre dans les commentaires, ouf! Ça se peut, on le sait pas, là. On le sait pas. Ben, tu sais, moi, j'étais bien fasciné par le singe Coco, là. Ça fait longtemps, là. Comme je te dis, j'ai ma petite fille, fait que je fais plus ça, mais tu sais, j'allais me perdre sur YouTube, là. Puis il y a un singe qui est comme le Einstein des singes, puis elle s'appelait Coco, mais tu sais, elle parlait, mettons, tu sais, comme un... Je dis des chiffres, là, mais tu sais, genre... il disait que, tu sais, des singes peuvent, mettons, apprendre le langage des signes, peut-être comme, mettons, 100 mots, là. Uh-huh. Et elle pouvait en avoir comme... 800, là, tu sais. Puis elle apprenait même aux autres singes des trucs, puis elle faisait le médiateur entre les humains et les singes, là. Mais tu sais, c'est fascinant, ça, tu sais. Des animaux surdoués, là, tu sais. Ouais, mais c'est ouais. C'est pas que les animaux peuvent pas communiquer, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec eux. On n'a pas découvert comment le faire, tu sais. Mais les animaux, ils se parlent entre eux autres, là. Ils se disent des affaires pas très complexes, là, genre décaliste, ici, puis ici, c'est à moi, lui, c'est à moi. Ouais, puis genre, c'est ça, c'est plus ça, tu sais. Je sais pas. Peut-être qu'ils se disent des affaires plus compliquées. Genre, tu sais, moi, je pense qu'ils peuvent être en dépression. Des fois, ils sont comme, je suis tanné. C'est plate. Ouais. Tu sais, sûrement. Ben, je pense qu'il y a des animaux qui sont en dépression plus qu'on pense. Il doit y avoir beaucoup de chats en dépression. Ben, tu sais, je pense que c'est. Ouais, des chats, ouais. Mais tu sais, étant donné qu'ils ont un mode de vie très physique, là, tu sais. S'ils arrivent à bouger un peu, tu sais, je pense que c'est souvent quand ils sont malades un peu, tout ça va être un des symptômes, peut-être, là, mais c'est fois aussi, c'est comme j'avais un chat, puis là, il était super heureux, puis un moment donné, on avait rentré un chien, là, fait qu'il avait comme perdu sa place, puis ouais, il y avait peut-être des symptômes qui s'apparentaient à
la dépression. Ouais, ben peut-être des chiens ou des chats ou beaucoup d'animaux en dépression parce qu'ils restent dans leur maison, ils font rien, tu comprends? Fait que peut-être qu'ils sont là comme genre, voyons, pourquoi ils s'en vont pas? Que, d'habitude, ils s'en vont. Pourquoi ils sont à la maison? Qu'est-ce qu'ils font? Genre, hey, c'est si ça, moi je pouvais sortir, je sortirais, là. Ça doit être plate, man. Ouais. C'est de l'esclavage un peu, là. Mais ils travaillent pas pour nous, fait que c'est pas de l'esclavage, mais... Non, ok, donc oh, t'as raison, c'est pas de l'esclavage, c'est plutôt de l'emprisonnement. Ouais, c'est de l'emprisonnement, mais en même temps, genre, on les flatte. Mais socio-affectif. C'est ça, c'est comme plus, comme dans Misery, là, tu sais, là, la fille qui pète les jambes à l'auteur pour qu'il écrive un roman, et nous autres, c'est juste, ben... Kathy Bates. C'est ça, toi, tu sortiras pas, on va te flatter. Un de mes chats a développé de l'anxiété de séparation, ben, c'est ça, là, maudit dinosaure. Ouais. On les comprend pas, mais est-ce qu'eux comprennent notre langage? Ouais. Je sais pas trop, hein. Ben, je pense que oui, ils doivent comprendre certaines affaires, tu sais. Ouais, tu sais, à l'écoute, en tout cas, tu sais, ils ont rien que ça à faire. C'est comme, tu sais, on considère que c'est un peu leur job. C'est leur job de nous écouter, puis de vivre autour de nous. On donne de la bouffe, mais comme, sache ton nom, au moins. Oh, ouais, hey, quand je t'appelle, hein, ouais. Hey, hey, hey. Mais là, tu vois, là, la mienne a fait un gros dodo, puis elle ronfle, là. Oh! Caronfle, oh, oui, hein? Mais le matin, elle se réveille, là. Le matin, comme, OK, sa routine, c'est ma blonde, elle sort à l'extérieur, elle la sort le matin, puis après ça, elle passe le matinée avec ma blonde, puis après ça, à un certain moment donné, elle vient se coucher avec moi, tu sais, comme vers 10 heures à peu près, elle est de retour dans le lit, puis elle se colle, tu sais. Puis là, elle attend que je me réveille, puis aussitôt que je me réveille, elle me regarde, puis elle branle la queue, elle est comme, oh, il est réveillé. Là, elle s'en vient vers moi comme ça, elle me gratte un peu, puis là, elle se monte la bédaine. Comme, gratte-moi la bédaine. Oh, merde. tout le temps. Fait que là, ouais, je pense qu'elle pense que je suis son esclave, en fait. Ouais, c'est ça. Et comme, man, come on. Ils prennent des habitudes, mais ça t'a structuré, là. Ton chien, il a structuré ta vie un peu. Là. Un petit peu. C'est le chien de Pavlov. Regarde, c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui dit il y a des boutons pour les animaux pour qu'ils parlent en pesant dessus. Ouais, j'ai vu ça. Je sais pas si t'as vu ça, toi aussi. Ouais, il y a une fille sur YouTube qui fait ça. Attends, je vais voir. Dog talking with button. OK, learning to speak. Et voilà, je vais te montrer ça. Attends, regarde. On va enlever la toune. Tu dois notre leçon. On va aller checker. Y a-tu une toune? Seattle. Ah, Seattle Times. Ça se peut qu'on se fasse. Windy City Live. Daily Mail. Non. Hunger for Words. Ah, mais regarde, il y a des compilations TikTok. Ça va être correct, ça. Ouais. I found what? Friend. Yes. I found friend. What? Friend want play. Go play with his fiance. Oh, wow. Friend want play. Sérieux? Ouais. Friend mom. Thank you. Number what? Play. Then go play. Go get a toy. C'est impressionnant, hein? Love you too. Ben voyons donc. Now what? Fait que les chiens savent parler. Là. Ben oui, now parce mad? Que s'ils comprennent des mots, tu sais, là tu donnes l'opportunité de faire une phrase, mais tu sais, c'est assez juste, impressionnant. Il a juste pas, yes, il est pas capable de l'exprimer avec la langue. Yes, c'est ça. Mais s'il comprend, peut aussi, il est pas juste. Qui a dit qu'il était juste des récepteurs? C'est peut-être nous qui a pas les récepteurs pour comprendre leur langage, tu sais. Ok, we can play. C'est ça. Maman! J'en veux voir un autre. Play. Et ça, c'est. Moi, j'en ai vu un autre, là. Moi, j'ai vu Bonnie the Talk. Ah ouais. Hi, my name is Alexis Devine, and this is my dog, Bunny, the conversationalist. Yesterday, Bunny went to play tango. Bunny want to play tango today? Yes. Okay.
She's a 1.5-year-old sheepadoodle. We are currently using buttons to communicate. They're right back here as part of a study through the Comparative Cognition Lab at UCSC. Ça doit être compliqué à prendre ton chien tout seul. When we first brought Bunny home, I had an outside button waiting by the door for her with sort of no expectations of how far we'd get with this journey. Within a few weeks of modeling it, she was using it consistently herself to request to go outside. And at that point in time, we added it to a larger board. And about 6 months into our journey, we came into contact with Leo Trottier and switched to his device, which is grouped based on the Fitzgerald. Je suis sûr qu'ils font ça juste pour nous le vendre. Tu sais, là. Oui. Finalement, là, tu vas avec ton lapin, tu pourrais peut-être faire ça, là. Imagine, man. Between 2 and 3 doggy playdates a day, as per her request. Wow. She also really likes the walk button for obvious reasons. Walk. One of my favorite parts about working with Bunny is just building. Regarde, j'aimerais ça avoir un deuxième chien pour qu'elle puisse s'amuser avec, tu sais. Mais regarde. Ouais, c'est sûr, tu sais. Ouais. Un jour. Un jour, peut-être, je sais pas trop. Un jour, mais là... Mais imagine, il y a quelqu'un qui dit « Ouf, attention à ce que tu pourrais découvrir sur ce que le lapin pense. » Fais-toi des dates de chien, G. Mais genre... C'est vrai, peut-être que le lapin taillit, dans le fond. Peut-être. Il donne-tu des becs, des fois? Ouais, il me donne des becs un peu. Ah, d'abord, il t'aime. Il t'aime. Tu sais, il est plus... Ben, moi, c'est un vieux truc, là, que ma mère vient d'une famille de fermiers, là, puis tout ça. Fait qu'on... Quand on était petit puis on avait des animaux, là, tu vas au pet shop avec l'en... Tu sais, dans le fond, j'ai fait comme elle faisait avec nous, là. Je suis allé avec ma fille. Puis là, elle dit « Ah, oh, papa, ça se peut-tu que je tombe en amour avec un lapin? » Mais on n'allait même pas acheter ça, mais j'ai dit « Peut-être. » Puis, tu sais, elle l'a pris. Puis là, tu regardes comment... Quoi, l'énergie qui passe entre les deux, là, tu sais. Uh-huh. Tu sais, le lapin était bien, elle était bien, tu vois, tu sais. Fait que normalement, moi, ma mère m'a toujours dit, tu sais, si ça, là, ça se passe dans les premières secondes, là, tout est beau, oublie ça, là, tu sais. Fait que, mm-hmm. c'est son lit à vie, là. Ben oui. T'sais, tu sais que le courant passe, là, puis là, à cette heure, tu sais, le matin, elle va l'avoir, puis le lapin, il lèche le nez, puis... Ah, ça, c'est cute, ça. Ça, c'est cute. Fait que t'as un lapin en liberté dans ta maison, et ça, c'est le fun, ça? Ouais, ben, elle a une cage, puis tu sais, la nuit, on la met dans la cage. Ouais, puis ouais. Si elle fait trop caca, j'aime un... En fait, la française sur YouTube, là, elle dit 15... mettons qu'elle fait caca, tu y montes, tu dis non, tu l'enlèves. C'est vraiment des petites boules, tu sais, c'est pas trop salissant, là. Non, non. Tu la mets dans sa cage, mettons, en punition, tu dis t'es en punition, là, pour 30 minutes. Ah, ouais. Là, une demi-heure plus tard, je fais « OK, c'est beau. » Fais pas caca, par exemple. Wow! Wow! C'est malade. Wow! C'est malade, là. Ma blonde, elle capote. Elle est comme, man, c'est fou, là. Tu sais, comme, elle pensait, genre, haïr ça, avoir un lapin, man, elle capote. Genre, elle y pense tout le temps. Mais c'est un peu ça aussi pour ma blonde, aussi. Elle pensait, comme, pas aimer ça, avoir un chien. Finalement, c'est son enfant préféré. C'est ça, tu fais que c'est comme, regarde. On est de même. Mais là, je vais avoir des poules, là. Mon prochain projet, là, après avoir fini le sauna dans un baril, là, je veux, j'ai checké, là, je veux 3 poules rousses. Oh! Puis ils ont déjà des noms, là, Rose, Rosette, puis Violette. Puis ça a été choisi par ma fille, là, puis il faut juste que je fasse une petite cabane à poules. Puis, eux autres aussi, je veux les laisser se promener sur le terrain. Ben oui, t'as quand même t'as un terrain pour ça, genre? Ouais, tu sais, mais il y a quand même des voisins, fait que faudrait que je mette une petite barrière là, à 2-3 places. Ouais, parce qu'ils aiment ça se promener là, quand même, les poules. Là. Ouais, encore là, tu sais, je vais découvrir, on pourra en reparler. Tu sais, je sais pas à quel point ils sont universitaires, là, tu sais. Mm-hmm. Mais. C'est méga fin, les poules. Plus wise que d'autres. Je sais pas trop, hein, les méga fins, les poules. Je sais pas trop. Mais je pense que oui, je pense que les poules, ça a l'air d'être. Ben, les poules rousses, là, ça, c'est les plus fines, là. Ah ouais. T'as l'air que c'est ça, là, tu peux les flatter, ils aiment les enfants. Puis t'en as, là, des poules un petit peu plus. Il y en a des sortes, là, peut-être des blanches, là. Une sorte de blanche, entre autres, là. C'est les meilleures pondeuses, mais ils sont vraiment pas d'adons, là. Tu peux pas les approcher. Ah ouais. Ça, c'est beau. Ben oui, ben belle oui. Poule rousse. Petite poule rousse. T'attaches là. À ça, là. Ben, je comprends, je comprends. Je comprends, regarde. Moi, j'ai un ami qui a des poules aussi. Ça, chez vous, là.
Ah, j'aimerais ça quand même avoir des poules, puis tu sais, vivre en campagne, j'aimerais ça peut-être. Mais en même temps, j'aime ça mon appartement à Montréal, donc je sais pas trop par rapport à ça. Peut-être que je m'ennuierais après un petit temps, tu sais. Ah, c'est sûr, là, tu sais. C'est parce plus que avec c'est... un enfant, tu sais. Tu t'occupes de beaucoup d'affaires, tu sais, c'est ça, là. C'est ça aussi qui est compliqué, là, tu sais. Bon, poule rousse, tout savoir sur cette poule. Son histoire en quelques mots n'est pas une race à proprement parler. La poule rousse est ce qu'on appelle une hybride moderne, créée à la suite de plusieurs croisements. Ainsi, on retrouve chez la poule rousse plusieurs variétés dont la majorité est originaire des États-Unis, comme la Bovans, la Loam, la Brown, la Warren. C'est d'ailleurs pour cette raison que la couleur de la poule rousse peut parfois varier d'un sujet à l'autre, allant du roux clair au plus foncé. Ben, tabarnak. Ça vit entre 4 et 5 ans. Aïe, 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 moi je gilet fermier, oh my god. Mais tu peux en avoir à Montréal. Oui, je sais, tu peux en avoir à Montréal, mais moi, j'ai pas un assez gros balti. Parce que l'affaire, c'est que je pourrais en avoir, mais il faudrait qu'il reste dans une petite cage. Ça, je veux pas faire vivre ça un animal. C'est comme, tu sais, non, là. Il y en a des œufs au DEP aussi, là. C'est ça, il y en a des œufs au DEP. J'ai pas besoin, là, tu sais. Je serais du genre à me sentir coupable, puis là, finalement, laisser la poule dans la maison, là, tu sais, comme à l'aller. Ah oui, ça serait vraiment ton genre, là. Là, tu trouves tout le temps une poule sur le divan, puis t'es comme, bon, je peux pas écouter la TV, la poule est sur le divan. Fait que... C'est elle qui décide de tout, là. Ouais, peut-être. C'est le boss, man. Elle finit qu'elle prend ton lit à la fin, là, puis toi, tu couches à terre. Ouais, ben, c'est pas loin de ça. Là. Moi, ma chienne, elle se couche dans le lit bien comme il faut. Là. Des fois, je suis comme... Ma blonde est comme, hey, le chien est vraiment dans mon espace. Je suis comme, ben, tasse-les. Mais elle sent mal. Je dis, ben, voyons, tu fais juste le réveiller. Dis d'aller là, là. C'est pas compliqué. Là. Puis elle se lève, elle fait... Elle y va, là, tu sais. Ah, faire écouter la poule aux œufs d'or avec à tes poules, ça serait peut-être le fun, ça. Je sais pas, hein, tu sais, s'il y aurait une petite émotion. Une petite connexion, peut-être, je sais pas. Non, on sait pas, là. Ah oui, je voulais te faire écouter de la musique. Qu'est-ce que tu veux me faire écouter? Moi, j'ai un. Tu sais, attends un petit peu. Bastien René m'envoie Nancy sur TikTok. Ok, c'est les Pop-Tarts 183. Ok. C'est un band, là, tu sais, je t'ai dit, tu sais, comme quand j'étais sorti de l'école, là, de Jonquière, là, tu sais, j'avais travaillé pas mal à CIBL, là, on faisait la création, tu sais, puis de la comédie avec mon ami Pierre-Louis. Puis lui, Pierre-Louis, il avait écrit des tunes d'un faux groupe qui s'appelle les Pop-Tarts 183, tu sais, okay. Dont Spring Break 95, puis c'est comme des trucs nostalgiques, des années 90, mais c'était dans les années 90. Mais là, comme 10 ans plus tard, il fait « Hey, on fait-tu l'album de notre vieille affaire? » Je fais « Pas de problème. » Fait que on l'a comme commencé. Là, on a un EP de ça qui va sortir. C'est à la fois merveilleux et inacceptable. Mais attends, je vais te le sortir. Et ça me fait rire. Puis on l'a... C'est Navet Confit qui l'a réalisé. Attends, je vais t'envoyer ça. C'est un lien Dropbox. Parfait. Transféré. Bien ça. Transféré. Transféré Provençal. Et à moi. Tu me l'envoies par courriel ou... OK, non, par ça dans Messenger. Ouais, par Messenger. Okay, parfait. Donc, laquelle? Écoute, laquelle... Tu peux checker. C'est quoi les titres déjà? Okay, Spring Break 95, Cracker Jack Lover, Seafood Song, Cracker Jack Lover, Radio Edit. Ah ben, Seafood Song peut-être. Seafood Song, on y va. Je vais juste fermer la musique ici. En anglais. I will always remember that night we went to Red Lobsters, drinking wine and laughing together. I really thought I was your lover, but when happened that tragedy, when she took a bite on a scampi, she stopped breathing in front of me.
I didn't want you to die, my baby. C'est vraiment bien produit, hein? How could I know you were allergic to seafood? How could I know you were allergic to seafood? Now when I think of you, hein? I'm in a bad mood. C'est ça la joke. Comment j'aurais pu savoir que t'étais allergique aux fruits de mer? À la première date du Red Lobster. Hey, ça, je m'ennuie du Red Lobster. Là. Ça existe-tu encore, le Red Lobster? Mais ça, c'était bon, man. Il y en a. Tu penses? Il y avait de l'ail. Il y avait de l'ail. Ah, c'était bon. Il y en... Il doit en avoir, genre, deux. La dernière fois que je suis allé, c'était à Calgary, genre. Ah, regarde, à Ottawa, il y en a. Il en reste. Ah ouais? Ben ouais. Hamilton. Ah, oh, mon Dieu. Saint-Jérôme. Il y en a un à Saint-Jérôme. Non, il y en a un à Montréal. Quoi? Il y en a... Ah, oh, OK, non, non, c'est ça. Angry Lobster, là, ça n'a pas rapport. Ah, c'est... Là. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Attendez, là. On recule. On recule. Red Lobster. Red Lobster. Ottawa, il y en a un à Ottawa. Un vrai, là? Oui, oui, oui. Ou une imitation... Non, ouais, non, ça non. Doit être. C'est sûr, ça a fait faillite, puis c'est des imitations. Genre. C'est un Red Lobster, regarde ici, là, on va y aller, ta minute. Directions. Non, pas directions. Je vais voir le menu. Non, je ne connais pas tant que je ne verrai pas le menu. Attends. Non, 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 non. J'adore la flûte. Oui, hein? Là-dessus. Je veux voir à l'extérieur, Calis. Ah, oh, mon Dieu, regarde ça. Une petite queue d'homard. C'est un drôle de photo. Oui, c'est les photos des gens là, qui font des critiques. Check. Mais c'est quand même, tu sais, ça, c'est cheap en Chris, là. Check ça, là. C'est 6 crevettes dans un genre de plat. Oh, dans un plat, on dirait au micro-ondes avec, oh, tu sais, des queues, tout ça. Des... Ben, regarde, ça, ça a l'air bon quand même. J'ai faim, là. Oh, my God, j'ai faim. Oh man! Hey, mais ça me fait penser à un resto de fruits de mer. Que... Oh non! Pourquoi qu'on parle tout le temps de bouffe dans ce petit podcast-là à minuit? On parle tout le temps de bouffe à minuit! Ça n'a pas de rapport! Oh man! Ah, hey, c'est ça, le dernier resto de fruits de mer que j'étais allé, là, tu sais, c'était. J'étais allé en voyage en Californie avec mon ami David Lorrain. Puis il y a un petit motel, genre. Si jamais vous allez là un jour, si la vie prend puis que on a le droit de mettre du gaz dans l'avion là, pas trop m'amener, mal là. M'amener. Mais non, mais c'est ça, c'est à Del Mar, ça s'appelle. Del Mar, c'est comme ça fait partie de San Diego. Puis là, check ça, le resto est juste à côté du motel Del Mar, qui est sur la mer là. C'est un méchant spot, là. Si vous allez là, près de San Diego, voilà. Tu vas au motel Del Mar, parce que c'est un motel, mais il est sans mer, tu sais. On the beach. Fait que c'est pas trop cher. C'est ça ici. C'est tellement beau. C'est ça? Ouais. Ouais, 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 ouais. Okay. Je pense. On va regarder les photos. Ouais. Tant qu'à faire, c'est en plein ça, ouais. Quand même, très beau, ça, comme photo, mon Dieu. Grand beau. C'est un petit motel, là, mais ah, il est sans mer. Tu sais, c'est que ça, même la TV, motel. Tu peux voir la mer. Puis regarde, le ventilateur, le design du ventilateur, c'est des pales, c'est comme les feuilles. Il est beau. Hey, check le beau cadre au ben fond. Ben oui, regarde, c'est aussi, là, regarde pas à travers la fenêtre, il y a une œuvre d'or de palmier. OK. Bon, ah, wow. Le gars, ça, tu vois, c'est pour pas que le sable vienne dans les chambres. Dans le monde, c'est le motel. Beau. Mm-hmm. Fait que là, il y a un petit resto à côté. Le style là, grillade de fruits de mer, puis c'est sa terrasse, puis c'est sa plage, là, t'sais, fait que t'entends la mer. Là. T'sais, on était deux amis, fait que c'était super romantique, t'sais, mais c'est pas grave. Mais non, c'est ça, c'est pas grave. T'as le droit, t'as le droit d'être romantique, même si t'es avec un ami. Là. Hey, regarde. Mais moi, ben oui, moi j'adore ça, la Californie, là, moi je suis... La Californie, c'est assez nice, effectivement. Je suis un gros fan, là. C'est parce qu'il pleut jamais, là. Il fait tout le temps beau. Je suis un gros fan du beau temps. Ouais. Ouais. qui aime pas ça? Gros fan. Il y en a qui aiment bien la pluie, tu sais. Comme là, on est plus anglaise. Quand il pleut, elle est bien contente. Ah ouais. Moi aussi, j'aime ça quand il pleut quand même. J'aime les deux. Regarde, j'aime les deux. Je suis peut-être le hybride le plus parfait par rapport à ça. Hey, mais.
Oh, regarde le petit gars, regarde son petit bras. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un sac, on dirait, autour du bras. Ben oui. Peut-être oui, un plâtre ou quelque dans chose. Le plâtre. Mais ouais, c'est ton ça. Père, il a la main dans la poche. On sait pas trop pourquoi. Non, mais c'est pour son téléphone. Il veut pas le mouiller. Ah. Ben oui. C'est là. C'est ça. Ah. Regarde. Parking. Oh, des plages. Bon. Oh, belle auto. Ça, ça n'a pas rapport dans le Del Mar, mais en tout cas. Belle auto. Beau okay. Char. Bon, on va... Ben oui. Hein, salut, madame. Mais... Hey, tu sais, on pourrait comme on parle de plage, là, s'écouter une petite toune là, de la vague parfaite. Là. Ben oui. Il y a Sylvain Paré qui jouait Mike Cole. Puis c'est vraiment un grand air là, vers la fin. Attends une minute. C'est vraiment beau. Oh, ça, c'est les cartes Magic. Ça, ça n'a pas rapport. C'est la colère des doux. Attends une minute. Théâtre du futur. Colère des doux, là. Théoriquement, c'est commencé, là, je pense que. Ah ouais, théoriquement, c'est commencé, là. OK. Là, on commence peut, à minuit, peut... là. Tu peux bonjour. Acheter ton billet, je pense. Je sais pas si il si faut attendre que la billetterie ouvre demain matin. Je sais pas. Faut peut-être au grand débrouillage. Grand débrouillage, ouais. Ben voilà. Donc, c'est où tu veux j'aille? Vers la fin? Ouais, à peu près là, peut-être. Ouais. C'était estompé avec son maître. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que. Ouais. C'est ça, c'est en plein là. Je sais pas si on voit les paroles aussi. Là. Speranza. On voit pas les paroles. Ah oui. Mets-les en plein truc, ouais, on va voir un peu les paroles. Là. Espoir tombe. L'espoir est dans le micro. Et a fait place à la bizarre. C'était très opératique, effectivement. C'est fini par plein de morts. Ouais, ouais. Les fleurs pleurent de la diable. C'est en ça. Italien. C'était en italien, c'est ça. Puis il y avait les sous-titres. On pouvait les lire, hein, right? Il y avait oui, c'est ça. Un écran où on pouvait lire les sous-titres. Exact. Là, on voit mal parce que c'est jaune sur jaune. Là, ouais. Sur une captation. Il n'y a plus rien, vraiment plus rien. Mais lui, c'est un vrai chanteur d'opéra, right? Ouais, ouais, ouais. Ben, toute la gang. Ben, ouais. Écoute, il est tellement drôle, il est tellement bon. Là. Il était propriétaire du lapin pressé là, sur Mont-Royal. Ah ouais? C'est un gars incroyable, de William Projet. En pyjama. Embarré dans la chaîne avec le cadenas en pyjama inflammable. L'espoir est mort entre les chaises. Canadiens ont pas joué à la Coupe Stanley en arbitre de Toronto. La boîte de collants des grands balais n'est pas arrivée à temps pour le show. Va falloir jouer mi-bas. C'est-tu que vous êtes cave, mon Dieu? Ça, c'est-tu avec la gang du Théâtre du Futur, c'est ça? Là? Sauf que vous étiez pas dans ce show-là. Toi, tu jouais pas là-dedans, right? Ouais, je faisais la narration. Ah oui, tu faisais la narration. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'était... ouais, Olivier m'a aidé à l'écrire. Au départ, c'était un projet que j'avais parti dans une courte pièce à la Licorne. Ah, c'est ça. Avec Philippe Prudhomme, un grand pianiste, là. Un coup de marteau sur une gosse. Puis on est parti de la courte forme, puis c'est Geoffrey Gacker qui nous a... On y a jasé, puis ça, puis on s'est dit, OK, on va faire la version longue. Fait qu'il a dit, vas-y, all-in, là, engage tout le monde. Puis c'est cave. Go. Il y a quelqu'un, c'est ça, il y a du monde qui joue de la musique, là, live, là. Ça, c'est live, c'est pas des bandes. Là. Ben, c'est Philippe, là. Tu sais, moi, je suis assis ici, en bas à droite. Ouais, oui, je te vois, t'es là, là. Une grand-mère nous plotte. C'est cave. Mis sur la boîte. Ah oui, c'est ça, c'était là, les sous-titres étaient là. C'est ça. C'était quand moi, même. Philippe, il est à droite. Fait que c'est un poème sur
disons, l'espoir qui tombe. C'est l'espoir qui tombe. C'est un beau poème. Il est 3h, on ferme. C'est quand même un beau morceau, là. Il y avait la toune des chats aussi qui était belle de Heather, là. C'était pas pire. Mais ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'était tellement de belles expériences, tu sais, des ententes chanter à chaque soir, puis tu sais, la musique de Philippe. Puis, je pense qu'il y avait 54 tunes qu'on avait composées dans le show, tu sais, adaptées pour chaque chanteur, puis à leur voix, puis tu sais, comme j'essayais de développer les personnages de tout le monde. Là, tu sais, c'était une grosse affaire de gang. Là. Mm-hmm. Mais c'est un trip assez incroyable. On l'avait repris... aux écuries. On l'a fait à l'espace libre, reprise aux écuries, puis après ça au théâtre d'aujourd'hui. Garde! Oh. Je pense que t'as aussi joué pas mal au Zoo Fest, right? T'as fait Clotaire Rapaille au Zoo Fest, puis t'es pris tes pièces de théâtre ont souvent été reprises. Mais au début, là, tu sais, au début, on déposait nulle part, là, tu sais, d'un théâtre. Mm-hmm. Là, on se disait, on fait nos affaires, puis le temps que quelqu'un se décide de le programmer, nous, on va déjà être en train de faire quelque chose d'autre, là, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est avec le temps, à un moment donné, que Marie-Thérèse Fortin, elle nous avait vu, elle avait vu, mettons, le Clotaire qu'on écoutait un peu tantôt. Puis là, elle dit, OK, ben on pourrait vous programmer peut-être dans une petite salle. Puis on avait dit, non, on veut être dans une grosse salle. Fait qu'au lieu de faire une run, on avait fait, je sais pas, 3-4 soirs dans une grosse salle. Puis après ça, ils nous ont donné une résidence dans une petite salle. Puis, tu sais, fait que c'est comme ça qu'on a commencé à aller dans une salle. Mais on est chanceux, on a toujours eu des espèces de cartes blanches. T'sais, on n'a jamais vraiment déposé un texte. Puis, c'est vraiment on s'est toujours fait laisser de l'espace. C'est parce qu'ils nous ont jamais demandé. Le public vient aussi, c'est ça, là, t'sais, à un moment donné. Si le public est là, hein, je pense que vous avez quand même un gros following. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les pièces quand même du Théâtre du Futur. Puis qui font comme, oh shit, il y a un nouveau chapitre. Ou, t'sais, vous avez vraiment. Les gens sont heureux. Mais d'ailleurs, toi, t'es-tu un grand consommateur de théâtre? Vas-tu voir souvent des affaires ou. Ben oui, tu sais, le plus possible. T'sais, c'est sûr qu'avec avec l'enfant, tu sais, là, il était très jeune. Fait que, j'ai dû dropper, mais j'ai un gros craving, là, tu sais. Il y a plein de gens qui ne vont pas en voir du théâtre parce qu'ils s'imaginent que c'est un plate ou que, genre, ça ne va pas les rejoindre. Mais tu sais, le théâtre, c'est pas juste, genre, Molière et Shakespeare, là, tu sais, c'est pas juste. Du monde habillé en cuir. Non, il y a. Écoute, puis il y a eu des. Tu sais, avant la pandémie, là, tu sais, les 3-4 ans avant, il y a eu des bonnes années, il y a eu des bons shows, puis. Tu sais, il y a vraiment des trucs super. Vraiment intéressants. Là, ouais, vraiment. Je trouve ça dommage que les gens vont pas faire. Tu sais, pourquoi que le théâtre, c'est pas super populaire? Tu sais, genre, je sais pas trop, il me semble, mais il pourrait avoir plus de monde au théâtre, pour avoir plus de. Ben, c'est la job aussi. Il y a un des problèmes des fois du théâtre, c'est que les abonnés, disons. Fait que c'est une bonne affaire pour un théâtre. Mais là, le théâtre a tous ses abonnés. Fait que c'est-à-dire c'est des gens qui ont leur passe de saison. Mais là, tout d'un coup, ils veulent vraiment leur faire des shows pour eux autres. Là, s'ils tombent là-dedans. Tu sais, je paraphrase, là, c'est jamais tout à fait comme ça, mais ça fait que tout d'un coup, ben, ils ont pas besoin du public à l'extérieur ou tu sais fait que mais nous on a toujours fait des trucs justement là tu sais sans trop essayer de plaire puis en se disant qu'on surtout les premiers shows je voulais que tu sais que quelqu'un qui va jamais au théâtre voit ça puis fait comme ok man t'es malade je sais pas c'était quoi ça mais c'était fou là tu sais fait que tu sais c'est comme Clotaire c'est un show de musique tu sais je voulais que ce soit aussi grisant qu'un show de musique mais aussi comme aussi trippant puis tu sais avec un espèce de avoir un chemin puis une bonne histoire tu sais comme une bonne pièce tu sais fait que c'était un mélange des deux tu sais as-tu vu la pièce théâtre documentaire qu'il y a eu avec tu connais-tu José comment qu'elle s'appelle donc tu sais là José c'est comme une fille là, qui était elle parlait contre le voile tout le temps là José asti je m'en souviens pas. La Vigueur? Non, pas José La Vigueur. José. Comment qu'elle s'appelle donc? Asti. José Lito Michaud? Non. Il y avait une pièce de théâtre documentaire qui est vraiment, vraiment bonne. T'as-tu déjà vu du théâtre documentaire?
Oui. Ok, attends une minute. C'était toujours intéressant. Là. Le dernier truc documentaire que j'avais vu, c'était en anglais. Okay. The Assembly. C'est ça, l'Assemblée, exactement. Ok, ben c'est ça. Moi, j'ai vu la version anglaise de ça. L'Assemblée, théâtre documentaire. Attends, je vais juste mettre le... Et voilà. Bon, mais justement, la personne qui était dans cette affaire-là, l'Assemblée Montréal... voilà. OK. Elle, la madame là qui est avec les drôles de cheveux. Là. Elle, ce personnage-là. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vrai. Puis quand j'écoutais la pièce, OK, j'étais allé voir ça avec ma blonde. Puis en écoutant la pièce, j'ai fait comme « Tabarnak, c'est José Rivard. Je sais c'est qui la madame. » OK. Parce que le concept de la pièce, c'est ça, c'était qu'il avait interviewé des gens aux opinions, disons, contraires, essayé de les mettre ensemble. C'est ce madame-là. Donc, l'actrice, elle jouait, elle, pour vrai, là. Oui, mais j'ai juste écouté la pièce. Ils disent pas leur nom. Tu dis, c'est la fille de YouTube. Elle. Oui, j'ai fait, tabarnak, c'est José Rivard, câlisse. En écoutant la pièce, j'en revenais juste pas. J'étais... Aïe. Wow. Quand tu vois, il appelle José, affirmé engagé de droite. José n'a pas la langue dans sa poche. Cet ancien membre du groupe d'extrême droite, la Meurthe, une opinion sur tout. Paradoxalement, elle se révèle très curieuse des autres. Fait que c'est même pas un personnage inspiré d'eux. Là. Ils l'ont carrément interviewé pour vrai. Là, oui, c'est ça, exactement. Donc, le concept, c'est qu'ils ont comme réuni quatre personnes autour d'une table, puis ils ont enregistré, dans le fond, leur discussion, puis là, ils refont une pièce avec ça, tu sais. Puis ça, c'était vraiment fucké. Puis t'es comme genre, wow. Puis c'était dérangeant, nasty, là, cette pièce-là. Puis en plus, elle était à Télé-Québec. Je sais pas si on peut encore l'écouter, cette pièce-là. Sur les ondes de télé le 12 mars. Donc peut-être que on peut. Peut-être sur la app. Peut-être sur le site web de Télé-Québec, on peut encore l'écouter. Regarde l'Assemblée. Oui, on peut encore l'écouter, regardez. C'est disponible. Si on est tous... Ah, pas la pub! Fait que, regarde, la pièce est disponible. Si jamais vous l'écoutez du théâtre documentaire, c'est super intéressant. Puis, d'ailleurs, as-tu vu les autres affaires qui ont passé à la TV, comme les Hardings, là? Ça, c'était super cool, hein? Ouais, super. J'ai vu aussi la face cachée de la lune. Ah ouais, ça, la face cachée de la lune, pour vrai, c'était vraiment... Ouais. Tu sais, ça, moi, j'avais vu le film avant de voir la pièce. Puis, tu sais, honnêtement, le film, je le trouve vraiment, vraiment super meilleur que la pièce, d'une certaine manière, parce que... Ben, c'est parce que la captation, tu sais, je pense que... jasant justement avec Michel Fordin, là, il me disait, tu sais, c'est qu'il y a une espèce de gros miroir, il y a toute une dimension de la mise en scène qu'on voyait pas nécessairement dans la captation. Exact, c'est ça. Puis comme faut comme plus s'imaginer, faire ah oui, ok, je comprends, là, parce que comme tu as le miroir, puis à un moment donné, quand il flotte dans le ciel, tu fais ah waouh, c'est impressionnant au théâtre, parce que tu fais, il y a comme une illusion d'optique là, tu fais mais non, je le sais qu'il est juste à terre, puis que c'est comme un magicien en bobette. C'est moins nice, ouais, c'est ça. Tu sais, genre, je vois le lapin dépasser dans un entre petit ses peu, gosses. Là, un petit peu. Mais les Hardings qu'ils ont fait, c'était vraiment vraiment super cool. Je sais pas si on peut le voir un petit peu. Il va voir la pub, là, c'est sûr. Je peux pas. Bon, il y avait plein d'animations par dessus, puis c'était super bien fait. J'ai trouvé ça super cool quand même. C'était vraiment le fun. Il y a eu plein de belles affaires, plein de beaux... D'ailleurs, le théâtre, là, ça devrait quand même avoir plus de télé-théâtre. Je sais que tantôt, on a dit c'est pas cool une captation, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, c'est le fun. T'sais. Puis moi, je m'ennuie de ça. T'sais, quand il y avait les beaux dimanches, on était trop jeunes un peu pour voir ces affaires-là. T'sais. Ouais. Mais on en voyait un peu, je me rappelle un peu vaguement, de Janine Dusto, des pièces. Puis c'est pas obligé d'être... l'entertainment du siècle, là, mais souvent, il y a quelque chose là-dedans, une humanité là, qui peut transcender là, cette affaire-là que tu retrouves pas ailleurs. Il y a un flavor unique. Là. Ouais. Même d'un classique. Moi, j'ai un bon ami à moi, c'est Harry Stanjewski. C'est un acteur anglais qui joue souvent en français. Là. Puis lui, là, c'est un gros, gros tripeux. Tu vas au Paramount, là. Puis il présente en IMAX, là, ou sur le gros écran, les pièces du Théâtre national de Londres. OK. Puis il m'en parle tout le temps, tu sais. Puis des fois, il dit « Ah, j'ai moins trippé », mais souvent, il capote. Mais là, c'est des scénographies, là. Des fois, mon gars, là, c'est des millions, là. Tu sais, il y en a un, là, genre, il me disait « Man, le public, genre... » Comme la scène, c'est un Transformer. Est-ce qu'on peut voir une bande-annonce de ça? Comment ça s'appelle, mettons?
Ben, genre. Le show comme tel, je sais pas, parce que ça fait 3 ans que j'ai dit ça, mais sinon c'est ouais. Ouais, National Theatre de Londres. Ok, oh boy, puis, ok. Disney Aladdin, Musical Spectacular, peut-être pas ça. Ouais, peut-être non, que ça. The Lion ça. King, Circle of Life? Non. Non. Quoi qu'on peut checker ça pareil, là. Ouais, mais ça a l'air assez impressionnant. Check National Theatre de London, là. Ok, London. En bas. Où ça, en bas? Je le vois, le London Theatre, mais ça a l'air d'être un truc. Ah, Official London Theatre. Ok. Ok. Applause. Sinon, tu peux checker sur le site de Paramount aussi. Là. Ah, ouais. C'est au forum, là. C'est au forum. Ah, oui, oui. Tu vas sur le site du forum avec les pièces. Puis. Parfait. Paramount. Et c'est des belles expériences. Comme quand je faisais avec Parfait, j'allais souvent à cause de la gang de l'opéra, tu sais, je pouvais avoir des billets à l'opéra, tu sais, fait que j'allais tout voir celles que je pouvais, tu sais. Mais tu sais, tu vas à l'opéra, même des fois c'est 3 heures, c'est des vieilles pièces, tout ça, mais tu sais, et c'est sûr que tu dors 1 heure sur 3, là. Ben oui, c'est mais sûr. C'est du bon sommeil, là, tu sais, c'est cool, là. C'est du bon sommeil. C'est pas genre, ah, c'est plat, t'es juste comme, man, un orchestre qui joue, t'es juste, tu sais, ça... C'est un bon moment, là. Ouais, ouais. Mais moi, je suis allé voir justement Casse-Noisette. Ça me rappelle, à un moment donné, je suis allé au cinéma, j'ai acheté des billets pour Casse-Noisette. Puis la représentation était genre à 9h le matin, genre un enfant de même. Puis là, on s'est levé full tôt pour aller voir Casse-Noisette. Puis tu sais, j'étais fatigué. Fait que je me suis endormi pendant Casse-Noisette. Je me suis réveillé à la fin. C'est puis j'étais comme, bon, mais je viens de dépenser 20$ pour dormir au cinéma. C'est le fun. T'sais, avec la musique classique, tu sais, c'est mais tu sais, le son fucking fort, là, c'était comme... ouais, c'est ça. Mais des fois, eux autres, c'est vrai que, tu sais, mettons, les théâtres comme ça, là, justement, London, qui, tu sais, ils diffusent au cinéma, fait qu'ils ont une scénographie de port à port, là, généralement. Ouais, oui, puis c'est aussi des institutions, tu sais, un peu comme à Berlin, là, tu sais, où le gouvernement, tu sais, comme... Tu sort la palette, là, pour la culture, là, tu sais, c'est ouais, comme... Ouais. On est à un autre niveau là, de financement là, t'sais. Exact, là, t'sais, tu vois déjà le Phantom of the Opera ici, là, t'sais, ça a l'air d'être comme c'est presque le budget d'un film là, t'sais, c'est ça qui est fou raide là. Non. Les permanents sont super. Mais là, t'sais, c'est le Phantom de l'Opéra, t'sais. Ben oui. C'est quoi ça? C'est The Phantom of the Opera, London Trailer 2018. Presque 1 million de views. Tain, c'est un gros escalier, 160 000 comédiens. Des costumes, ouais, c'est ça, mais c'est l'équivalent de Notre-Dame de Paris. Genre. Il y a, dans comédie musicale, il y a les Misérables, là, qui est... Orgo, là, tu couches tellement. J'ai vu une captation de ça ou un... Les Misérables, non. Un show des Misérables. Les Misérables London. L'histoire un peu. Ah, regarde, tu vois ici. L'histoire là. De... Ah ouais, il joue. OK, c'est au complet. Là, on peut l'écouter de 2 heures de show. Ah ouais. De merdenac. OK, c'est une captation mal faite, là. Ouais, ça... 2010, ouais, on va pas regarder ça. Mais ouais, je m'ennuie du temps qu'il y avait du théâtre à la télé, c'était le fun ça. Ouais, ouais. J'espère qu'il va y avoir peut-être qu'il va en avoir d'autres là à Télé-Québec tout ça, puis peut-être. Je pense qu'avec la pandémie aussi, tu sais, les équipes se sont vraiment c'est comme la barre a monté là, beaucoup, beaucoup. Là. Wow. Il y a L'amour est un dumpling de ouais. Mathieu Quesnel. Oui, oui, oui. Nathalie oui. Doumard, avec Simon Lacroix et oui, Nathalie oui. Doumard. Ça, là, je ne l'ai pas vu, c'est Stéphane Lapointe qui a fait la réalisation. Mais ça a l'air que c'est fou, là. Ça a l'air que c'est vraiment bien fait. Puis, check, on va aller checker la bande-annonce, tant qu'à faire, on est là. On peut le faire. Ouais. On est capable, on est libre, on avec est jeune. Son pis tout? Ouais. C'est trop bizarre ou... De quoi? Ben, de se revoir, ça fait tellement longtemps, c'est comme... ça fait bizarre, hein? Non, je trouve pas. Je veux dire, ça fait quoi, 7 ans qu'on s'est pas vu? Puis la dernière fois, ça finit sur « T'es juste une merde, je veux plus jamais qu'il s'approche de moi, même pas à mes funérailles », mais non, je trouve pas ça bizarre.
Moi, je sais tellement pas ce que je veux. Moi non plus. Ouais, en même temps, tu sais, je suis si tu voulais. Oui, je te voulais toi, mais toi, tu voulais pas. C'est parce que c'est moi qui devrais dire ça. OK, là, t'arrêtes de me niaiser puis tu me dis pourquoi je suis là. Je vais peut-être te mindfucker. Je suis déjà mindfucké. Comment dire? Shoot, Claudia, shoot. Ça a vraiment l'air cool, là. Ouais, ben le show est vraiment beau, là. Puis ils ont fait une nouvelle deuxième partie. C'était juste une courte pièce, là. Ben, donc, wow. Une pièce en un acte, qui est donc une pièce de 45 minutes. C'est dans les mises en scène de Mathieu Kennel, texte Mathieu Kennel, Nathalie Doumar. Ah ouais, 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 ça a l'air vraiment... c'est super. Moi, je l'aime beaucoup, ce comédien-là aussi. Moi, j'étais allé voir une pièce de lui que c'était « Tout ce qui n'est pas sec ». Je sais pas s'il va avoir un extrait ou tout. De Simon Lacroix? Ouais, ouais, ouais. Tout ce qui n'est pas sec. T'as une minute, y a-tu une vidéo peut-être? Tout ce qui n'est pas sec, notre poisson intérieur. OK. Puis ça, j'avais vraiment trippé, là. Je bois de l'eau. Vous buvez de l'eau. Il y a de l'eau dans l'air. Il y a de l'eau dans l'eau. Notre corps est constitué jusqu'à 64 % d'eau. L'eau est partout. Que je voulais dire. C'était vraiment absurde, c'était vraiment fucké. Là, ouais, ouais, au 4 sous, je me rappelle où je l'avais dit. Ouais. Puis c'était vraiment... Ben oui, Simon. Ça commence vraiment super, ça commence vraiment d'une façon vraiment spéciale, là, c'est que... Attends, là, on voit pas bien, là, mais il y a comme une porte. Ici, à droite, là, il y a comme une porte. Mm-hmm. Puis, genre, les lumières baissent. Puis là, tu sais, la pièce commence, fait que le monde ferme l'oriole, tout ça. Puis à un moment donné, les lumières allument exactement dans cet éclairage-là. Puis on entend une porte qui claque. Puis il est comme juste en... de l'autre bord de la porte. Il fait « Ah, oh, excusez. » Puis là, t'es comme « Mais s'es-tu trompé ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? » Genre, t'es-tu comme arrivé au mauvais moment? Puis là, tu sais, il y a comme un malaise de « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, ça commence, puis c'est vraiment c'est super étonnant. Ça n'arrête pas tout le temps, justement, de changer, puis d'être comme... c'était vraiment super le fun comme moment. J'ai beaucoup apprécié. Je l'ai vu, c'était vraiment bon. Ben oui, regarde, c'était vraiment... regarde, je m'ennuie du théâtre, on va se le dire. Un beau moment. Ben oui, le théâtre, c'est le fun. Mais quand je vais au théâtre, j'ai tout le temps peur. On dirait qu'il y a quelque chose de chez moi qui fait en sorte que je pourrais fucker tout si je fais juste comme dire de quoi. T'sais, je pourrais juste faire « Nya! » Puis là, ouais. Puis là, je gâche le... C'est genre. Correct. Le monde peut... Mais les comédiens vont faire « Voyons, pourquoi qu'il fait... C'est pourquoi qu'il fait ça? » Tu sais, au cinéma, si je fais ça, le monde va faire « Ta gueule! » Puis tu sais, Nicolas Cage, il continue, là. Ouais, mais, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas... C'est ça. Fait que... Mais... Un moment donné, je jouais dans une pièce d'Olivier Chouanière, ça s'appelait Mamie. C'était comme des zombies, dont une vieille grand-mère, puis c'était un show de rap. OK? Mm-hmm. À la fin, tu sais, on arrivait, puis là, on finissait la dernière toune, puis on était proche du public. Olivier prenait le micro, puis c'était la dernière ligne. Puis il disait, là, la ligne, c'était genre. Et minuit moins quart, là, mamie va fermer les lumières, on retourne dans le noir. C'est un truc de merde. Fait qu'il dit, il est minuit moins quart, là, mamie va fermer les lumières. Puis là, il prend son souffle juste pour dire la dernière ligne. Puis il y a une madame en avant qui dit, il passe complètement à côté de son propos. Wow! Du show, man. Wow! Puis il dit la dernière affaire! Black, puis on salue, man. Il passe c'était à bon. Côté de son propos. C'est comme vraiment. Pour toute la salle, il passe complètement à côté de son propos. Merci. Merci, madame, pour votre critique. Mais puis, après le spectacle, dit, pas pendant. On mais en même temps, c'est ça aussi. Le... C'est ça, tu sais. C'est live, tu sais. Ouais. C'est comme. C'est, historiquement, là, l'idée, c'est que le monde sont là. Là ouais, ouais. C'est ouais. Pas juste c'est des êtres humains qui sont devant toi. T'sais, après, il y a eu plusieurs étapes, mais à la base, un début, ou disons, comédia dell'arte, là, c'était comme, man,
T'as le ventre creux, man. Tu veux, tu sais, faut que le monde capote, là. Tu sais, comme, tu sais, y a pas question qu'ils partent d'ici sans qu'ils ont comme. Tu sais, comme, toi, faut que t'ailles les chercher, là. T'as faim, là. C'était comme les open mic du temps, là. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, c'est ça. C'est là, c'est les open mic, c'est les stand-up dans les bars qui essayent de faire rire à tout prix, tu sais, les gens, puis qui sont comme ma vie artistique, puis même ma vie financière est on the line. Fait que là, go, tu sais. Tandis que là, aujourd'hui, le théâtre, c'est plus des gens. C'est moins ça, c'est moins populaire, entre guillemets, tu sais, là, maintenant, c'est le stand-up. Ben, c'est ça, mais ça peut l'être, tu sais, d'une bonne façon, mais nous autres, au début, tu sais, on visait ça, puis encore, tu sais, il y a une espèce de truc où, comme je te disais, là, on essayait de pas parler nécessairement du monde qui vont tout le temps au théâtre, là, puis tout ça, tu sais. C'est sûr que dans la démarche, à un moment donné, tu sais, au début, il y avait beaucoup de noms connus, puis de name-dropping, tout ça, mais tu sais, qui était toujours à propos, à mon avis. Mais tu sais, on s'est éloigné aussi un moment donné un peu de ça pour vraiment explorer d'autres choses, la poésie puis des trucs, mais ça reste un art populaire, là, quand même. Ouais. Moi, tantôt, tu me parlais de que, tu sais, les comédiens sont là, puis ils voient, le public aussi est là, en fait, c'est ça que tu disais. Puis tu sais, je m'en souviens, une fois, je suis allé voir En attendant Godot avec mon ami Julien, puis à côté de nous, ben tu sais, c'était comme un couple, mettons, on va dire, il y avait peut-être 60 ans, les deux. Mm-hmm. Puis clairement, il avait été au restaurant avant. Là, le monsieur a détaché sa ceinture. Ah ouais, puis il rotait. Pis, là, non, il s'est endormi, mais genre dans les premières secondes. Genre, gros somme. Puis on était comme en avant. Là, genre, on avait des billets chers. Là, là, lui, c'était comme t'es allé manger un steak. Bye. Il dormait bien raide. Puis tu sais, il voyait, là, son genre troisième rangé en avant. Là, puis t'es comme dans le milieu, troisième rangé en avant. C'est sûr, t'es comédien, tu le vois. Là. Ça doit être décourageant pour vrai, des fois, d'être comédien comme ça dans des affaires super populaires, comme ça, qui rejoint vraiment le grand public, mais que le monde a juste acheté des billets parce que c'est ça qu'il fallait faire un peu, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ces genres de pièces-là. Pas toutes des super. Tu sais, t'as la première qui est en feu une fois de temps en temps, mais effectivement, tu dois avoir des. Mais ce genre de pièces-là. J'ai l'impression que le théâtre du Nouveau Monde, ça doit être beaucoup ça, là, tu sais, comme des genres de pièces un peu comme. Classique, là, tu sais, puis des vieilles affaires un peu, là, tu sais, le théâtre comme. Je veux pas dire quelque chose d'offensant, là, je veux comme dire, mettons, les pièces un peu. Tu sais, ils vont jouer du Molière là-bas, là, genre, ils vont jouer des affaires de même, là, tu sais. Il va avoir un bon Molière, mais tu sais, ils vont essayer de le récupérer. Après ça, c'est tout un. Ah, tu sais, c'est quand même vraiment des artistes de talent. Là, oui, puis c'est super bon. Il y a plein de bonnes affaires aussi. Tu sais, d'aller chercher le maximum, puis d'établir une vision, puis tu sais, des trucs, mettons, un Fedo, tu sais, je me rappelle, il y avait Alain Zouvi, là, tu sais, qui faisait le meilleur straight man ever, là. Le straight man, là, c'est une job tough, là, parce que c'est pas toi qui ramasses les rires, là, mettons, mais si le show fonctionne, c'est grâce à toi, tu sais, ben parce qu'il faut que les gens s'identifient. C'est toi qui set les perches, c'est toi qui set les affaires. Ouais, puis faut que les gens croient qu'il est dans la marde, tu sais, s'il est pas dans la marde, il n'y a pas de pièce, là. Exact, t'sais. C'est ça. Mais il est, lui, là, c'est vraiment un champion là, du straight man de même. Fait que, tu sais, ce genre de show-là, tu vas voir ça, ben, tu sais, il va avoir quand même une bonne rigolade, tu sais. Il montre du régent du charme, des fois, tu sais, puis ils font bien. Mais c'est important d'avoir ces genres de lieux-là. Justement, il va y avoir des plus grosses affaires comme ça qui vont être présentées. Moi, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime plus les affaires un peu plus intimes. Là, tu sais, là, genre des projets un peu plus. Moins des salles à 2000 personnes. Là, tu sais. Ouais, alors, c'est ça. C'est ça. Là. C'est pas le théâtre. Parce que j'aime. Que les shows s'y prêtent pas tout le temps. Tu sais. Non, c'est ça. Il y a des shows qui sont faites pour une salle de 2000, mais tu sais, c'est pas toutes les shows. Puis... Non, c'est ça. Ces pièces-là, tu sais, c'est cool, un Molière, puis tout ça. Puis c'est un génie, là, mais tu sais, comme. C'est sûr qu'il y a des lacunes là, au niveau scénaristique. Là, mais juste aussi à la fin, c'est tout le temps un doux qui arrive de nulle part pour tout régler. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas nous autres. T'sais, je veux dire, c'est comme si on avait juste le droit d'écouter des films de Charlie Chaplin. Maintenant, on ferait mais là, les comédies, c'est le fun, là, mais tu sais, c'est ça, là. Genre. Ah, c'est ça. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce d'affaire-là que je comprends plein de niveaux, mais pour d'autres, ça ta force à être un peu arriérée sur certains aspects parce que finalement, on garde toujours un peu toujours les mêmes rôles, la même distribution, puis tout ça, puis c'est des trucs historiques, puis
c'est comme une tradition, fait que c'est correct, mais c'est... J'imagine que c'est important pour les étudiants ou, tu sais, comme les gens qui s'initient au théâtre, peut-être, pour avoir l'opportunité de voir qu'est-ce qui s'est fait avant. Mm-hmm. Puis aussi, c'est ça. Puis de toute façon, il y a d'autres théâtres qui font ça, tu sais, t'as pas besoin... Ouais, exactement, exactement. T'sais, c'est ça, là, il faut qu'il y ait un endroit pour ça, puis c'est super, tu sais, mais... Faites ça chez vous. C'est ça, c'est ça. Ça fait travailler du monde aussi, tu sais. Je veux dire, il y a comme une industrie qui est bâtie à travers ça. Là, c'est comme, mettons, justement, la musique classique, tu sais. Les gens vont pas aimer les œuvres contemporaines parce que des fois, c'est comme... C'est weird, OK? Là, c'est comme... Le monde aime pas ça. Le monde aime les pièces qu'ils connaissent, là, tu sais. Genre, puis même Stravinsky, à la limite, des fois, c'est comme... Ouais, ça, c'est pas mon... Ça, c'est pas mon bag, là, tu sais. Genre, ils vont aimer les affaires plus classiques, là, tu sais. Fait que, on le remarque même au niveau des toussements quand tu vas au... ouais, tu sais, pendant comme, mettons, pendant le Beethoven, ils vont pas tousser. Puis là, comme entre les mouvements, ils vont tousser. Puis, quand c'est les pièces contemporaines, ils toussent dedans. C'est pas grave. Là, ah ouais, je te jure, là, c'est vraiment drôle. Ouais. Ils sont comme... Ils sont encore lisses. C'est des klaxons des affaires. Ah ouais, là. Ils se payent un trip sur scène, là. On s'en fout, là. Ah non, mais en musique, écoute, là ça devient conservateur, là, désagréable. Là. Ouais. Mon ami Philippe m'avait conté un moment donné, le musicien là, de la Vague Parfaite, là, que lui, écoute, il a un doctorat maintenant en musique, là, il joue de n'importe quoi. Là, puis un moment donné, il y avait une pièce qu'il jouait, puis il fallait qu'il prenne son coude. Uh-huh. C'est un truc contemporain. Oh, ouais. C'est écrit de même. T'sais. Puis. Bon, il est tard, là, je te dis ça, là, le gars, il n'entendra jamais, mais il m'avait dit que... Ça va être sur YouTube, attention, là. Okay. Non, mais en tout cas, il y avait un... C'est pas grave, là, le gars, il devait être super, mais tu sais, il y avait un mécène qui avait vu ça, tu sais. Ah oui. Puis il avait dit, écoute, tu sais, non, ça marchera pas, tu sais, tu peux pas jouer des trucs de même, tu sais, ça... ça choque. Tu sais, puis t'es comme, OK, toi, ça te choque, man. OK. Ça, c'est correct, mais ça, c'est non. C'est la limite à pas franchir. C'est ça. C'est complètement arbitraire. Là, non, ça. Ouais. Ça fait aucun sens. Mais oui, regarde, c'est ça. Il y a les mécènes qui possèdent l'argent et qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec oui. Les œuvres d'art. C'est ça, là. Puis là, avec la nouvelle structure de l'Internet, avec des affaires comme Patreon, ouais, des affaires de même, les artistes peuvent être au contrôle de tout. Ça revient à ce qu'on disait au début. Le public paye, mais n'a pas vraiment tant que ça une décision de qu'est-ce qu'on fait. Oui, ils vont influencer, mettons, un peu la direction, tu sais, mais ils n'ont pas le contrôle à 100%. En tout cas, l'artiste peut dire, regarde, c'est moi, c'est ça que je fais, puis si tu le veux pas, achète-les pas. Tu sais, je veux dire, à Mano Subway, il y a aussi juste les choix. Tu sais, je veux dire, tu peux pas mettre des lacets de souliers dans ton Subway, là, tu sais, il y en a pas. Là. C'est ça. Que, genre, c'est ça les ingrédients, tu te débrouilles avec. C'est ça le contrat, et c'est 7 piastres pour ça. Fait que si tu le veux pas, il y a Quiznos, tu sais. Oh oui, au Quiznos, t'es pas content. C'est ça, là, tu sais, fait que... J'aime beaucoup ça, moi, le Patreon et ces affaires-là, de pouvoir prendre le contrôle un peu de toute la chaîne, tu sais. Ouais. Parce qu'on le fait déjà un petit peu, là, je pense, quand même. Ouais, c'est que, tu sais, ça enlève un peu, ça revient à ce qu'on disait au début aussi, là, tu sais, toute une structure de décision, tu sais, comme basée sur des trucs qui ont finalement aucun rapport avec l'œuvre, là, comme telle, ou ce que tu veux faire. Ouais. Écoute, mon beau Guillaume, je crois que ça va être la fin de notre podcast. Il est 5 heures du matin. Il est 1 heure du matin, puis là, toi, t'as une petite fille, tu dois être fatigué que le Chris. Ça va. Fait que tu vas pouvoir aller te coucher. Tu vas pouvoir aller te coucher. D'accord. Hey, mais. Je t'enlève de ta prison de discussion. Non, j'ai adoré ça, man. Ça fait trop longtemps, en fait, qu'on s'est pas vu, là. Ben oui, à un moment donné, on va revenir, là, gars. J'ai ma date de vaccination. Je l'ai. Ah, moi aussi. Yes. Vendredi. Tabarnak. Moi, je vais tourner cet été. Je me demande vraiment de quoi ça va avoir de l'air. Aïe, aïe, aïe. Ouais. J'ai des tournages cette semaine. Là. Ouais. Ben, je suis allé un peu à l'automne. Là. Ben, je l'ai fait, là. C'est pas si pire. Là. Mais c'est spécial quand même de jouer chant contre chant. Mettons,
t'as pas de masque, puis là, quand c'est ton contre-champ, t'as un masque comme ça, même, puis là, l'autre personne te regarde, tu sais, puis c'est vraiment fucké de rejouer la scène, mais ouais. C'est vraiment bizarre. Il y a de quoi de weird. Ça paraîtra pas à TV, mais des fois, c'est ça, là. Tu sais, quand tu places ta scène, des fois, mettons, t'es juste comme... Tu sais, là, pour celle-là, je vais te le dire comme plus proche de même, puis ils sont comme, ah, ben là, on n'est pas... Fait que là, il va falloir mettre le masque. Puis là, t'es comme juste, hey, on peut-tu la jouer? Je suis de même, genre, puis je te dis ça à la place. Ça me fait trop chier, là, de... La personne arrive, là, c'est long, c'est compliqué. Puis t'es comme juste, OK, là, on va juste la faire à 2 mètres, là. C'est pas grave, là, je suis capable, là. En tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, ils calculent le temps même des... Tu sais, là, c'est super compliqué, là. Regarde. Ah non, c'est ça, le 15 minutes. Puis lui, il avait fait un truc sur District 31. Il avait le bâton. Ben oui. C'était vraiment. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que quand t'es comédien, je sais pas si toi, c'est comme ça, là, mais... Tu sais, quand t'es dans ta scène, t'es pas en train de checker tout. Tu sais, t'es dans ta scène, t'es dans ton personnage, t'es dans tes affaires. Tu sais, t'es comme plus concentré sur lui, je l'aime, je vais lui coller ça un coup de poing. T'es pas en train de te dire, mais il faut que je reste à 2 mètres. Tu sais, là. Fait que je comprends la distance, je vais rester loin de lui, là. Tu sais, mais 2 mètres exactement, tu sais, je vais peut-être faire 1m75, là, ça se peut, là. Ben, je veux t'en coller un, tu sais. Ouais. Parce que je suis plus là-dedans, tu sais. Puis des fois, même, t'as des réflexes de juste te rapprocher parce que tu te dis, là, ça va être bon, là, c'est là, je le sens, tu sais, il faut que je me rapproche, tu sais. Mais là, c'est comme, non. Fait que là, il y a quelqu'un qui te surveille, tu sais, mais c'est juste tout le temps, tu fais, ah oui, c'est vrai, excusez. Puis là, tu te sens mal parce que tu veux pas non plus infecter tout le petit plateau parce que tu viens pour une journée. Fait que, ouais, moi, je me sentirais mal que le Chris, imagine, ce gars-là, le tournage arrête parce que tout est tata. Tu fais, ben non, là, excusez, là. Fait que, ouais, c'est ça. Face à une journal, puis... Ouais, annule la série, en tout cas. Non, des non. Choses qui arrivent, c'est pas grave. Tout le monde dit que c'est pas grave, mais c'est à une, puis... Ouais, mais pour les appendices, nous autres, on a tourné l'été passé, puis tu sais, on avait vraiment prévu la shot, on a fait les restrictions, puis ces cossins-là, on va à l'écriture nous-mêmes les mettre. Fait qu'il y avait aucune scène où on était deux. C'était tout le temps des gens qui parlaient à la caméra ou quand il y avait une scène, mettons, c'était en green screen puis on pouvait rapprocher les gens. Fait que, genre, on s'est pas fait chier, là. C'était comme tout le temps solo. Puis c'était vraiment mieux, là. T'sais, c'était bien plus simple. Ah, c'est un peu comme, tu sais, honnêtement, le projet, là, t'sais, de la colère des doux, là. T'sais, on a vraiment embrassé les contraintes, là. T'sais, ben, c'est ça. T'sais, c'est comme un peu comme vous avez fait, t'sais, on a fait, OK, c'est ça les contraintes. Parfait, man, ça va être des plus, là. Puis, tu sais. Let's go, là, tu sais, plutôt que de... Faut s'en servir plutôt que de contourner, là, tu sais, de dire, ouais, mais là, non, tu sais, faut qu'on se french, là, non, c'est comme, non, là, il y a d'autres façons de raconter des histoires. Puis on n'y met pas se faire chier, là, tu sais. Ça durait 10 ans, tu sais, à un moment donné, tu serais, OK. Ah oui, là, c'est pas pareil, c'est là. Sûr que vos appendices de l'automne, ou ben oui. Nous, ce qu'on va faire, là, tu sais, on fera jamais ça exactement non. même dans non, 2 ans. Non, fait non. Que ça va rester quelque chose d'assez unique, là, ouais. Je sais pas si dans le futur, on va regarder ça puis on va se souvenir de tout ça. Je sais pas, hein? De tout. Ben, comme tu vois, j'ai composé une toune au début de la pandémie, là, genre... Ah ouais? Ouais. Puis ça va être... Pour les appendices, attends, minute, on va aller la voir. Là. On termine ça bientôt, là, mon beau Guillaume. Tu vas pas aller coucher, hey, aucun là, stress, ça. Man. Moi, je suis bien chez nous. J'ai le chauffage. Okay. C'est ça, là, tu sais. Donc... Les appendices sont de... Non, ta gueule! Service non essentiel, OK? Puis... là, je vais la mettre ici. Je vais pas la faire jouer parce que ça se peut qu'il y ait des droits là-dessus. Mais c'est fucké à quel point... Ça c'était mis 29 mars 2020, OK? Ça faisait 2 semaines okay. genre que tout le monde était confiné. Et... Là, on le voit pas ici. 29 mars, je vais le mettre comme ça ici. Ça faisait 2 semaines que tout le monde était confiné puis on avait déjà écrit la toune qui fitrait pour aujourd'hui, tu sais. Genre, c'est vraiment fucké à quel point les choses ont changé. Type comme, on avait comme peur de tout, tu sais. Tout le monde perdait leur job. Genre, il y avait de l'insécurité, de l'incertitude. Genre, hey, ça va-tu revenir ouais. comme avant? C'est-tu la fin de l'humanité, là? Tu sais, les gens, en 2 semaines, les gens ont capoté ben raide. Ah, c'est sûr, là. Ouais. Fait que c'est imagine, ça. Là. Il y a comme un genre de grosse, pas de déprime, mais on sent un peu la fébrilité de ça va pas bien, tu sais, puis ça va pas bien aller. ouais, c'est ça, là. Ouais, tu sais, les gens nous disent que ça va bien aller, mais on le sait déjà que non, là, tu sais. Fait que c'est vraiment fucké, tu sais. Les choses ont évolué tellement rapidement. Qu'est-ce que tu dis? Lis-moi ton poème un peu. Ah ouais, ben c'est ça. C'est... Regarde, je vais la mettre, là. Depuis qu'ils ont coupé les
services non essentiels. Je peux plus faire mes activités préférées. Je passe mes journées à scroller sur mon cell. J'ai hâte que la pandémie finisse, parce que j'ai plein d'affaires à faire, dont voici une liste. Partir un club de tag barbecue, achoumer dans le buffet de la cafétéria, me chicaner dans les lits au Ikea. J'ai une gale à la bibliothèque, aller porter deux batteries à l'éco-centre, me faire tatouer bébé Yoda sur le ventre, bébé. Aller au Laser Quest à chaque jour, partir ma boutique médiévale érotique, laisser mon chum au café céramique. Il y a comme une genre de tristesse un peu dans tout ça, ouais. Là, tu sais, là, genre... mélancolie, là. Genre, avec un peu d'espoir, mais en même temps, je sais pas trop. Je m'en souviens quand que, genre, on faisait écouter cette tune-là aux gens, les gens étaient comme un peu troublés, là, tu sais, les gens, genre, oh my god, tu sais, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis là, aujourd'hui, je l'écoute, je suis comme, ah ouais, c'est moins, y a moins d'émotion dedans, comme. Hey, on s'est fait une espèce de d'adaptation, de... Tout ça remène à ta question, là, tu sais, on va-tu se rappeler de ça? T'étais-tu dans le verglas, mettons? Non, non, mais ouais. Mais mettons, moi, j'étais dans le verglas, tu sais. Puis honnêtement, ça a duré 3 semaines, sauf que j'étais parti au cégep. Fait que j'ai été comme une semaine, mettons, pas d'électricité. Uh-huh. Mais c'est un souvenir indélébile, là, tu sais. Je me rappelle, j'avais joué à des jeux de société. On avait mis la viande à fondue dans la neige. On s'était débrouillé. Il y avait six. Tu viens de beaucoup d'affaires, là. Mais ça avait duré, tu sais, comme 10 jours, là. Ouais. Mais là, en ce moment, mais tu sais, le souvenir te repop une fois que c'est fini. Ouais, ouais. Tu sais, là, c'est pas fini, mais tu sais, la question, c'est, moi, je me dis, quand ça va être fini, puis on fait OK, puis tout ça, bon, la vie a changé un peu ou quelque chose, mais là, on va se mettre à se rappeler, ah oui, puis là, j'avais acheté une maison, tu sais. Ouais. Là, j'avais fait ci, puis ça, puis je m'étais construit un sauna, man. Pourquoi? Ouais. J'ai jamais le temps d'envie de me faire un sauna. Là. Ouais. On se connaît. Là, mais là, je fais un sauna. Ouais. On va être plein. On va tout le monde avoir comme. Ah, puis là, ma soeur, elle avait acheté un chalet. Puis là, j'ai passé 2 mois là-bas. Puis... ouais. Je suis allé voir le film de Denis Côté tantôt. Là, derrière, c'est vraiment bon. Hygiène sociale. Là. J'ai le poster ici en arrière. Mm-hmm. Maxime Godette est malade. Ça va être diffusé une douzaine de jours. Là. Faut vraiment que t'ailles voir ça. Hygiène sociale. Vraiment formidable. Un beau trip de cinéma. Là. Puis. Ouais, c'est ça. J'ai croisé une amie. Puis elle m'a dit hey, tu savais-tu que j'avais eu un bébé? J'étais là, non. Tu sais, était comme. C'est tellement weird. Ah ouais. Tu sais, genre, elle était comme. Redevenu, tu sais, elle avait plus l'air d'être. Elle était plus enceinte, c'est ça. Le bébé doit. Genre. C'est fucké, okay. Hein? Mais moi, c'est arrivé un peu la même chose avec Sophie Desmarais, tu sais, comme avant, on s'était vu pour le tournage de C'est comme ça que je t'aime. Puis là, elle a eu un bébé. Puis là, elle est enceinte, puis elle a accouché juste avant la pandémie ou pendant. Puis là, après ça, je l'ai revue dernièrement, genre, il y a même pas 2 mois, 1 mois. Puis là, c'est ça, là. Elle est comme fait que elle a eu un bébé, mais je l'ai pas vu. Du tout. C'est fucky, là. Il y a plein de gens comme ça qu'on va recroiser, qu'on va faire. Eh ben, il est rendu plus de cheveux, lui. Comme moi, mettons. Oui. Ou, mettons, ah, lui, une barbe blanche, lui, gars, comme moi, mettons. Ou, les gens vont avoir changé. Ça va être bien fucky. Ben, j'ai remarqué tantôt que tout le monde. Après ça, est-ce que c'est parce qu'on s'habitue aux photos de monde, tu sais, sur Facebook ou quelque chose? Mais peut-être. Tout le monde avait un petit ride de plus, là. Ouais. Un petit quelque chose, un petit... On va avoir vieilli, mais comme sans s'en apercevoir, tu sais. C'est ça. C'est comme s'il y avait un time-lapse de 1 an, tu sais. C'est juste un comme peu. Des petites pattes de doigts, un petit, petit peu de blanc dans... Ça va être fucké, de... ça. Ça va être fucké bien raide. Regarde. Ça va être fucked up. Ça va être fucked up. OK, va voir ça. Écoute, c'est... Ben oui. Mais c'est-tu le film dans lequel t'as joué, ça, Hygiène sociale? Non, moi, c'était Wilcox que ça s'appelait. Wilcox, OK. Ouais, c'était l'autre avant.
Parce que Denis, là, dans le fond, il fait toujours une grosse production, là, tu sais, financée, machin. Puis entre ces grosses productions, il fait des petits films plus personnels, plus, pratiquement payé de sa poche, tout ça, avec une petite équipe de production, une gang de chums. Wow! Ça devait être une affaire. Ça, c'était malade. On est allé à Locarno présenter ça en première. Wow! Et c'est quoi les chances? Ben oui, c'est ça. T'as quand même un parcours atypique, hein, pour vrai. Cette petite sorte de style d'affaires. Mais ce que je trouve le plus fou, c'est quand même le. Tu sais, les looks, là. Ouais. Tu sais, des fois. Tu sais, les cheveux de clotant, tu sais. Ouais. Mais toi, t'as beaucoup de looks. Tu changes beaucoup de looks. Ouais, c'est ça. Des fois, je suis sûr qu'il y a du monde qui. En fait, c'est les character actors, tu sais, c'est ça l'affaire, là, comme qui se fondent complètement dans leur rôle, tu sais. Puis je pense que ça a aussi beaucoup rapport peut-être au corporel, tu sais, comment tu bouges. Parce que là, regarde, tu vois, tu bouges pas pareil, là, tu sais. T'as une façon de l'aborder dans son mouvement, comme, tu sais, là. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait que tu changes beaucoup. Puis. Ils se fondent beaucoup, ces comédiens-là se fondent beaucoup en arrière. T'sais, des fois, on ne le remarque pas. Il y a plein de films comme ça américains que tu fais. Voyons, c'est qui lui? Non, je le connais. Puis là, tu fais, ah, c'est-il a joué dans ce film-là? Ah, puis il a joué dans ce film-là. Ah, puis il a joué dans ce film-là. Puis aïe. Ouais. C'est comme, mettons, Gary Oldman, c'est ça? Ah, mais écoute, ça, c'est mon idole, man. C'est Gary Oldman. Gary Oldman, là, OK. Genre, il joue dans plein d'affaires, puis tu le reconnais jamais, là. Ça n'a pas rapport. Ah, non, dans Batman, mettons, il fait son espèce de policier un peu beige. Ouais, là, plus là, gros. Ça, mais, man, après, sinon, il a fait un Dracula aussi qui est assez étonnant. Tu le reconnais jamais. Il a pas Dracula. Il a joué au cinéma dans Forrest Gump, lui, hein? Ça se peut. As-tu joué dans Forrest Gump? Oui. Ok, mettons, on va aller faire Rolls Picture. Ouais, c'est ça, tu sais, comme, regarde, tu vois ici, là. C'est un wild horse, là, lui. Là. Non, lui, c'est comme genre, tu peux pas le reconnaître. Genre, il y en a beaucoup, là, check ça, là. Puis, c'est pas une grosse vedette, tu sais. Gary Oldman, tu dis pas ça à tout le monde, ils font, ben oui, Gary Oldman. Tu sais, ça. Ben. Non, c'est pas un comédien super actor, connu. Actor. C'est ça, exactement. C'est un. Regarde. Harry Potter, il cite, ça, je m'en souviens pas du film. Regarde, check ça. Ça, c'était incroyable, ouais. Le film qu'a fait. C'est fou, là, c'était Churchill. Churchill, c'était fou raide, là, pour vrai. Là, non, c'était fou raide, ça. La folie, là. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Ben là, je suis pas en train de te comparer non plus à Gary Oldman, là. Je sais pas trop. Je pense pas qu'on va se flatter de même, là. Mais en même temps, je pense que ça fait partie de ça, tu sais. Je pense que t'es un peu dans le même genre. Aïe, aïe, check ça, les yeux rouges, bien comme faux, là. Vraiment, ouais, ça, c'était son Dracula. Tabarnak. Ouais, c'est un tannant. Là. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que. Ben, c'est ça le trip. Moi, j'aime ça, tu sais, pouvoir. Pouvoir se transformer un peu, là. Comme pour le rôle à Denis, tu sais, j'avais perdu un. J'avais. M'étais entraîné pendant un mois, là, ou trois semaines et demie, là, deux fois par jour. Ah ouais, hein? Pour essayer, tu sais, comme, de pas avoir l'air de manger trop de poutine, tu sais, puis ouais, faire un gars qui est-tu dans l'armée, on sait pas trop, tu sais. Puis. Mais, tu sais, c'est cool parce que ça. Chaque entraînement, tu. Rentre un peu dans la psyché du personnage. Exact. Tu sais, mais tu t'en sens comme exploratoire un peu, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, tu rentres tranquillement, mais Denis, il cherchait, surtout avec un projet de même, quelque chose de vraiment, là, neutre, là, tu sais, pas de... Tu vis ton truc en dedans, mais faut pas trop qu'il s'en rende compte, là, tu sais, tu... Parce que c'est un... C'était pas... Faut pas être comme en train de jouer de quoi, là, ouais, tu sais. Ouais. C'est assez subtil, là, tu sais, mais il est trippant, là, tu sais. Je suis vraiment chanceux de collaborer avec lui. Le projet de même. Ben oui. C'était vraiment un créateur trippant, là, tu sais, parce que, tu sais, il passe, ça, je disais, d'un gros projet à un petit projet, puis il essaye tout le temps de se renouveler, de faire le con. Comme là, le film qu'il a fait, là, c'est le contraire du film qu'on avait fait ensemble, tu sais. Dans Wilcox, ça parle jamais, mais. On parle, mais on l'entend pas, sauf à la fin. C'est vraiment. Il avait retiré le son, c'est vraiment ça l'exercice. Puis, dans le film qui est là, il écrit un texte. C'est un texte qu'il avait écrit il y a 4-5 ans, mais ça est verbeux, là, ça jase, c'est l'antipode. Regarde, c'est super.
C'est super. Bon, ben, je pense que c'est ce qui va vraiment conclure pour vrai le podcast cette fois-ci. Donc, merci Guillaume de m'avoir prêté une de tes soirées. Merci à toi. Qui qu'on va raider? Oh my god, ok, on va raider. Ah, jeu sérieux qui joue à Resident Evil? Ah non, Cine Looney. Ok, on raid. Je sais pas qui. On va raider au hasard. Ah, Grub Truckers. Non, on va raider jeu sérieux. T'as. On raid jeu sérieux qui sont en train de jouer à Resident Evil. Donc, yes, sir. Donc, ben, merci la gang d'avoir été là. Hey, merci la gang. Yes, c'est vraiment, vraiment cool. On devrait faire ça chaque nuit puis plus jamais dormir. Ben écoute, moi c'est ça que je fais. Je fais ça demain. Donc demain, okay. Je vais être avec Andy de Frenchy, qui est une pianiste de Twitch. Donc ça risque d'être super intéressant. Ben ouais. Ben je vais écouter ça, man. C'est vraiment intéressant. Tu me fais découvrir toutes sortes d'affaires. Puis je te remercie. Mais toi aussi. De me traîner dans ça. Puis, Regarde. C'est vraiment généreux de ta part. Bon, ben, garde. Peace. Je t'adore, mon gars. À la prochaine, Guillaume. À bientôt. À bientôt. Peace and love. Peace and love, guys. Peace and love. Il y a Color des Doux, hein. Ça commence. Maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Allez, yeah. Acheter vos billets. Yes. Dès maintenant. Aux écuries, pour un gars. Tiens. Oh. On n'est plus en onde, c'est ça? Attends une minute.